On va tenter un exo de type très ambitieux. Alors, je ne fais pas durer le suspense plus longtemps. Ça fait un moment que je cherche le courage de tenter le PM là-dessus. Si ça passe, on a clairement un truc de fou. Alors, on se retrouve avec ce petit bouclier. Bouclier 7 ans de malheur, qui a un G parfait 1% res R. Donc voilà, c'est pas évident à FM ce truc. Surtout que ça a été fait en brisage PA ici. Donc, bah, c'est parti, hein, PM. Allez. Clairement, si ça passe là, une signature, est-ce que ça peut se faire? Oui, hop. Bon, ce serait vraiment fou là, ça ferait un item inestimable. Allez, c'est parti. Dommage. On enchaîne avec la cape du crânonnier, donc qu'on avait laissé dans la dernière vidéo parce qu'on n'avait pas pu passer de PA dessus. Là, j'ai refait un petit stock d'orbes et de runes, alors j'ai 274, voilà, comme vous le voyez, ça nous laisse pas mal de tenta. J'espère qu'on aura quelques PA à briser là-dessus. Et on va essayer de choper un beau jet avec de l'exo pour 100 res feu. Je vous retrouve dès qu'un PA est passé. Enfin, on a un PA. Alors après une cinquantaine de runes, ça me soulage un petit peu parce que la dernière fois j'avais claqué presque 200 runes dessus, j'en avais passé aucune. Et là on a un G qui est dans l'ensemble à peu près acceptable. Et surtout voilà les esquives PA qui sont plutôt bien. Bon, on va voir. On va voir ce qu'on en fait. J'ai les 20 dommages R, alors ça j'espère que ça va pas tomber à 19 ou 18 pendant que je casse le PA. Là tout va se jouer sur le nombre de runes hein, qu'il va falloir claquer avant que le PA tombe. Donc bah, on est parti. On est parti, je vais peut-être commencer par la sagesse, je pense. Hop. Sacrite. Ouh, ça fait plaisir, ça commence bien. Je vais monter les res O qui sont un petit peu basses. Alors, c'est parti. On a 5 plus 2. Moins 6. Ça me fait 1 depuis. L'agilité, je ne vais clairement pas la laisser à 45. Et le PA qui tombe directement, ça c'est génial. Ah non, j'ai perdu un 2R, merde. J'ai perdu un 2R, c'est très triste. Bon, en tout cas, ça me fait 98 depuis. Le 2R, je vais le passer maintenant. Je vais essayer de le mettre pendant que l'item est relativement léger encore. Faudrait que ça me défonce pas trop de puits. Ok, moins 15, bon. C'est triste qu'on l'ait perdu, mais on s'en sort quand même pas trop trop mal. Ensuite, la vitalité, je vais partir sur un petit over qui passe. Hop. Je vais maintenant la rebaisser à 400. Ce serait bien d'avoir un moins 6 en vitalité, là, ça peut faire moins 5 ou moins 6. Des fois, le moins 6 est chiant, mais là, ça me ferait plaisir. Moins 5, dommage. Dommage, dommage. Bon, au moins, c'est baissé. Ça, c'est fait. L'agilité va tomber. L'agilité va tomber tout pile à 60 en y allant avec de l'appâche. Ça, c'est pas mal. En revanche, pour les répous, il me manque un de répous pour arriver à 35. Et là, je vais pas passer de 28 à 29. Donc, je vais plutôt partir sur un over répous que je baisserai ensuite. Et après, il me restera les raises et les esquives. Bon, on va commencer par les répous. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, 9, ça me bouffe pas mal depuis. Hein. 9 fois 6, moins 54. Ouais, je perds pas mal depuis là-dessus, mais je voulais vraiment avoir les 35 répous. Pas de regret, c'est un peu dur au moral, mais pas de regret. Je vais les baisser avec une page. Hop. Ce qui me fait plus 1. Ça me laisse 20 depuis. Et je pense pas qu'on ira au bout du FM avec ça. C'est triste. Allez, on va quand même tenter jusqu'au bout. Alors là, j'ai eu 1, 2, 3, moins 15. 5 depuis restant. Bon, je vais retenter un PA après. Hein, et si je passe un PA là-dessus, ce sera quand même pas mal. On pourra refaire un gros brisage derrière, peut-être. C'est dommage, ça commençait bien. Et les répous ont été un peu capricieuses. Hein. Et encore une fois, hein, pour ceux qui me diraient, ouais, t'aurais dû les laisser à 34 et t'avais pas mal depuis. Moi, je cherche le perf, hein, donc c'est un peu mon défi. Je m'en fous hein, de claquer par. Une dizaine de PA sur cet item s'il faut, c'est pas un souci. Alors bah 5 depuis, on va quand même pas aller loin, il va falloir du crit. Ok, là je me retrouve à 9 depuis. On va mettre une petite esquive PA, qui crit, une deuxième qui passe, j'ai 2 depuis. Hop, je vais tenter un petit crit en succès. Ok, ça ne crit pas, mais c'est correct. Allez, je vais tenter un PA là-dessus. Dans l'idée de le rebriser si des fois il passe. C'est dommage. Bon, je vous retrouve quand j'ai passé un autre PA. Hop, une dizaine de runes plus tard, on en a un nouveau. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai un pressentiment que je vais passer pas mal de PA sur l'item, mais que je vais galérer à avoir un bon G parce qu'il y a quand même beaucoup de lignes à remonter, c'est pas évident. Mais bon, en tout cas, on est reparti donc pour un deuxième brisage. Cette fois-ci, j'ai les dommages qui sont directement à 19. Bon, je vais commencer par la sagesse que je vais remonter à 39. Hop. Donc là, ça me fait 6 plus 4 moins 9. Ok. J'ai un depuis là-dessus. Ok, j'ai les répous à 26. Ce serait bien que ça reste là. Je vais mettre le petit pourcent rester. 4.
5 de puits. Je peux peut-être tenter le 2R. Ou... Non, ce serait pas judicieux. Ça, je le ferai dès que le PA sera tombé, je pense. En espérant peut-être que ça repasse à 17, ce qui me permettrait de mettre une pas d'OR. Ce serait pas mal. Alors là, j'ai plus... plus 1,6. J'ai plus 5. Et moins 10. Ok. Les pages. Est-ce que je remonte avec de la page? Pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. On va y aller sur le crit à nouveau. Je vais le mettre à 4%. Ok. Alors plus 0,6. 7 plus 4 et moins 10. 3,2 depuis. Esquive PA, c'est parti. Qui crit. Bon, le critique, j'aimerais vraiment bien le remonter à 4. Ok, c'est pas trop mal. J'ai moins 3 ici. Et je garde toujours hein, les petites décimales depuis. Ça peut servir, ça peut permettre de gagner une tenta à la fin éventuellement en faisant le cumul. Hop. Alors, plus 6, moins 7, plus 2. Ok. Le critique ici qui fait plaisir. Qu'est-ce que je vais remonter? Je vais essayer de passer les raises à 9. Les raises, hein, ça fait toujours assez mal à la fin. Là, j'ai plus 4,4, plus 3, moins 6. Et oh, j'ai une vitalité qui va arriver à 400 piles. Allez, ce serait vraiment chouette que le PA tombe là-dessus. Bon, en tout cas, ça passe. Dommage. Moins 10, plus 5, plus 6. 3,6. Je vais tenter la pas de R maintenant. Ou alors je ne l'attends. Je sais pas. Soit je l'attends et auquel cas, si ça fait tomber le PA, là, c'est vraiment génial. Soit je la laisse. Enfin, je laisse les dommages R en dessous de 17 par sécurité pour ne pas me retrouver embêté à la fin. Bon. Je vais les laisser comme ça pour l'instant, on verra après si je change d'avis. Alors plus 2,2, plus 3, moins 6. La sagesse là, hop. Ce serait bien que le PA ne tarde pas à tomber, que je défonce pas trop mon G. Là j'ai plus 2,6, plus 5, moins 9, 1,4 depuis. Là, le 2R, je vais le tenter de le remonter à 17. Oh, dommage. 0,4. 6. 5. Hop. Bah, allez, hein, encore. Là, j'ai plus 1. Ok, c'est correct. Plus 2 sur la ligne au total. 5,8 depuis. Bon, je vais remonter les raises R, là, qui commencent à être un petit peu basses. Oh, c'est embêtant, ça. Là, j'ai pris un plus 2, 6, hop. Et... Oh, ok, c'est pas trop mal. Les repous sont un peu basses, hein. Je vais commencer par m'occuper de ça. Plus 94. Ok, on a 95,8 depuis. On a un G qui est quand même pas foufou dans l'ensemble. Il y a quand même les 2 R qui vont bien tomber. Les critiques, les esquives PA sont relativement hauts. Bon, il y a bien sûr les résistances qu'il faut remonter et l'agilité. Bon, ça va le faire. Ça va le faire. Alors déjà, je vais commencer par remonter les repous qui sont en sous-G, ça me gêne un petit peu. Hop. Ok, là j'ai juste un moins 6, on a eu du petit critique, c'était pas mal. Ensuite, là on est en sous-G également, je vais remettre à 8 je pense. Moins 18. Alors après, où est-ce qu'il va falloir over? Il va falloir over la vitalité dans un premier temps. Hop. Allez, en espérant que ça passe assez vite à moins 30 là-dessus, c'est triste. Et là j'ai 4, il faudrait que je dégage 4 depuis là-dessus, si j'y vais sur la J. Est-ce que c'était une bonne idée? Pas forcément. Pas tellement d'autres choses à faire intéressantes avec 4 depuis. Allez, je vais y aller sur l'agilité, puis j'irai chercher le mini over agi à la fin, c'est pas grave. Ok, là on est pas trop mal. On rebaisse la vita en dessous de 400, ça c'est nickel. Et maintenant je vais m'occuper de l'agilité. Je vais y aller avec 2, avec de l'appâage je pense, moins 3. Pour aller chercher les 60. Ou alors il me reste combien de puits? 36, ouais bon allez je vais quand même... normalement je préfère aller chercher le perf, mais là histoire d'avoir quand même quelques petites tentas à la fin, je vais y aller sur de l'arrahage, ça me fera moins de puits je pense. Moins 20, ouais, bon, de toute façon, c'est plié. Ça ne passera pas là-dessus. Hop, les deux R qui passent. Ouh là là, j'ai fait quoi?
J'avais 36. J'avais 36,8. 20 moins 15. Bon, j'ai plus de puits là-dessus de toute façon. Je dois vérifier, mais normalement c'est ça. Hein. Voilà, j'ai plus de puits. On va retenter un PA, sans doute. Ok. Décidément, les PA passent vraiment bien sur cet item. Là, vous voyez, je suis à 207 runes restantes, donc j'en ai utilisé que quelques-unes depuis tout à l'heure. Et à nouveau, un troisième PA qui arrive ici. Bon, bah, c'est nickel. Allez, on va pas tergiverser. C'est parti. La sagesse. Hop. Alors, j'ai moins 9. 5. 7. 3 depuis. Les res. On va les remonter. Enfin, terre, on va les remonter. Oh, et le PA qui tombe direct. Là, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. 94 depuis en plus. Ça nous fait 97. Je vais commencer par l'overvita. Comme ça, ce sera plié. Oh, sérieusement, moins 40 là-dessus, c'est une tristesse. Bon, je crois que du coup c'est plié, c'est dommage. Les répous en plus vont tomber nickel là. C'est triste ce qui se passe là. Là j'y, bon, je vais faire comme tout à l'heure, j'ai allé à 59, c'est pas grave. Du coup. Je vais y aller avec de la rune, il dit pour rebaisser ça, c'est un peu dommage. Mais si les runes passent, je récupérerai le puits dessus après. Ce sera pas trop mal, est-ce que j'arrive... Ah, 399, bon, c'est pas grave. Allez, la J. 9. Les répous. Qui passe, moins 6. Les esquives PA me font peur un petit peu, là, clairement. On va remonter ça à 12 dans un premier temps, moins 7. Je vais passer également les dommages R. Je vais aller racheter des runes, je pense, avant la prochaine tenta. A priori, on ne passera pas un bogey là-dessus. Dommage, il m'aurait fallu un crit là-dessus, on aurait peut-être pu espérer quelque chose. Ou avec un crit là, éventuellement ça pourrait le faire, mais là j'y crois plus vraiment. 10 de puits restant, ouais, c'est mort. Est-ce qu'on passe un tenta sur ce joli... un PA sur ce joli G? Non. Eh bien cette fois-ci, le PA, il a eu un petit peu du mal à passer, hein. J'ai claqué plus de 100 runes là. Il m'en reste 92, donc on aura peut-être encore quelques tentas après, espérons. Voilà, donc on a un G là qui est quand même pas trop mal. Il y a les 20 dommages R, c'est pas mal dans l'ensemble, il y a les 4% de crit. Allez, c'est parti, je vais essayer de balancer directement la par et pas, comme ça, si ça casse le PA en passant, ce sera super. Ok, on a un crit ici, et là, ça ne passe pas. Oh, quel dommage. Quel dommage, on a, j'ai la flemme de compter, 85 x 0,2, 17 de puits là-dessus, plus 6, moins 21, 2 de puits. Je pense que je vais la retenter. Ok, ça passe cette fois-ci. J'ai donc plus 5, plus 12, plus 6, moins 21 à nouveau, ça nous fait 4 de puits. Alors qu'est-ce que j'ai défoncé? La vitalité un petit peu, je vais essayer de la remonter. J'aimerais vraiment bien que le PA tombe assez rapidement là. Que la vitalité reste à 400 piles, ce serait très joli. On a moins 10 ici, on a plus 7, plus 4. 5 de puits. Avec 5 de puits, ça peut valoir la peine de tenter le dommage R. Ok, ça ne passe pas. 0 de puits restant. Je vais peut-être retenter la Vita. Non, la Sagesse. La Sagesse, c'est bien basse. Là, il faut la remonter. Ok, c'est correct. Plus 0,6. Plus 1. Moins 9. Plus 6. Plus 2. Hop. Ok, il reste pas énormément de puits, mais c'est pas grave. La Raage, qui ne passe pas. Ça ne change pas le puits. On enchaîne. 2 ici. Les RSTR qui doivent être un petit peu remontés là. On a 5, moins 6, plus 2. Hop. Je vais continuer là-dessus. Ok, les répous, on va les laisser comme ça pour l'instant. La vitalité peut-être. Allez, dommage. Là j'ai quoi? J'ai plus 6, moins 10. Plus 6, ok, 5,6, c'est la RSTR qui crit. Allez, la vitalité, toujours pas, décidément. Là j'ai plus 2, plus 3, moins 10, et le puits retombe presque à 0. Je vais encore y aller là-dessus, hein. Voilà, ça passe enfin, moins 10, 3, plus 5, plus 11, quoi, hop. 4,6. Allez, la RSTR ici.
Et ensuite, il faudra que je tente les esquives PA. Deux. Reste presque 7 depuis. On va tester ça. Là, j'ai moins 5. Allez, la petite paraît pas. Si ça casse le PA, c'est dommage. Ça n'a pas passé. Ça me fait donc plus 100, moins 21. 80 depuis. Et là ça picote quand même. La paraît pas qui ne passe pas. C'est pas grave. Je vais y aller sur un tout petit overagi, je pense. Hop. Est-ce que je vais chercher les 61 ou est-ce que j'en reste là pour l'instant? Moins 6. 74 depuis. Ah non, il y a quand même pas mal de choses à remonter. C'est un luxe que je ne vais pas me permettre pour cette tentative. Tant pis. Ok. Là, on a du critique qui met plutôt bien. 68 depuis. La sagesse maintenant. Hop, ça crit. Décidément, là, on n'est pas trop mal parti. Bon, il y a quand même les raises hein, qu'il va falloir remonter. Il y a pas mal de. Il va en falloir en passer pas mal. Est-ce que j'y vais sur de la pas-répa ou est-ce que j'y vais sur de la répa? On va voir ça. Là, je vais passer ça. Oh, ça crit. Et là, on commence à avoir une tenta qui est plutôt solide. Et les répa, je vais les mettre une par une. Oh, c'est pas mal du tout. Moins 7 ici, 61,6 depuis. On a vraiment là quelque chose de très sympathique. Et peut-être que ça va se terminer par une belle chose là-dessus. Ok, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, moins 48. J'ai 13,6 depuis. Donc je peux utiliser un depuis sur une rune agilité. Et après je vais tenter deux runes de reste-feu. Ok, ça ne passe pas, donc j'ai 12,6 et je peux tenter deux réperfeux. Si je pouvais avoir les deux, ce serait vraiment génial. Allez, une. Allez, au moins une, s'il vous plaît. Je me suis chié dans le puits. Je me suis loupé dans le puits. C'est d'accord. Peut-être que j'en ai oublié une dans les lignes de res, là, ou je ne sais quoi. Bon, de toute façon, ça change pas grand-chose. Je vais quand même peut-être retenter ça, si ça crit, et retenter un PA derrière. C'est dommage. Est-ce qu'on peut avoir un jet sympa pour une tente à PA, là? Et je vais tenter un PA comme ça. On aurait pu avoir un item exo-PA qui aurait été avec un jet vraiment sympathique, mais là, si on passe un PA, on va le rebriser, du coup. Et ça ne passe pas, de toute façon. Alors, il faudrait que je regarderai sur le record où est-ce que je me suis planté dans le comptage depuis. C'est pas grave. Bon, j'espère que je pourrai au moins repasser un PA avec les runes restantes. On va voir ça tout de suite. Et c'est la fin des runes PA. Pas d'autres PA qui est passé. Tant pis. On va terminer la vidéo sur la cape matelassée en essayant soit de faire un gros overécrit PA, enfin PA en repassant le PA, soit en faisant un overécrit PO si l'overécrit n'est pas assez conséquent. Voilà, donc bah on a un jet qui est pas trop mal là dans l'ensemble. Il va falloir faire un overagi, ça on s'en occupera à la fin. En attendant, on est parti pour la chance, moins 3. Les récrits, je les ai laissés volontairement à moins 10, hein, comme ça je m'en occupe tout à la fin et je peux puiser dedans si j'ai besoin. D'ailleurs, je vais même le faire maintenant du coup. Hop. Moins 6, et comme ça, je peux récupérer mes 2 Dover. Si j'ai pas que du crit, bien sûr. Ok, voilà, comme ça, on est nickel. Et ensuite, bon, c'est parti pour ce qui manque. Hop, un petit dommage haut, moins 10. Bon, c'est quand même relativement facile à FM, hein, ce truc. Après, la cape qu'on a faite avant, c'est un peu de la détente. Allez, c'est parti pour les raises, 2. 4, hop, moins 24. F8 qui est à 5. Hop, ça passe. 50 de puits restants, mais il n'y a plus que les dommages à remonter. Et on est bon. Ok, ça passe pas trop mal. Moins 10, j'ai donc 40 de puits restants. Ça nous fait donc 40 tentats là-dessus. Hop. Et alors là, j'ai dit qu'il fallait que j'y aille à l'unité 1. Hop. Ok, ça passe plutôt bien pour l'instant. Je dois m'arrêter. Quand j'arrive à moins 1, ok, il me reste 29. Ça me fait donc 14. 14 à partir de maintenant, hein, puisqu'une fois qu'on arrive à partir de moins 1, les runes pèsent à nouveau 2 et pas 1. Et là-dessus, c'est parti. Alors, il faut que je compte les succès critiques. J'en ai pas eu, je crois. Hein. Non, je n'en ai pas eu. J'ai 4 écrits. On a le PA là-dessus. On n'a pas le PA. Tentative suivante, 95 depuis. C'est parti. C'est parti, je vais peut-être commencer par la chance. Allez, hop, moins 3, direct. Et comme ça, je rebaisse ça avec les récris. Oh putain, il fallait bien sûr que j'ai un succès crit là-dessus. C'est limite de la poisse là.
Ok, voilà, c'est pas trop mal. On s'en sort. La vitalité, est-ce que je vais partir en over? Je pense que oui. Mais je ferai ça à la fin du coup. Hop. Mettre les dommages au max. 5, 10, 15. Ok, moins 15, c'est plutôt correct. Retrait PA. Hop, moins 7. On a la sagesse à 40 également, ça fait assez plaisir ça. Ça pouvait passer là-dessus, ce serait cool. Hop, un petit crit là-dessus, un petit crit là-dessus. C'est pas trop mal, dis donc. On va avoir une belle tentative là. Moins 12. 55 de puits restants et plus que la vitalité à gérer. 3. Et allez, un petit moins 6 là, ce serait cool. Oh, dommage. Et oh, mais je suis complètement con, il fallait que je mette des récris. Il fallait que je mette des récris, pourquoi j'ai mis de l'ignie? Insultez-moi dans les commentaires s'il vous plaît pour cette énorme fail que je viens de vous faire. Putain, complètement débile moi. Tout l'intérêt de cet item c'est de pouvoir y aller sur les récris avec les over et moi je mets quoi? Je mets des runes initiatives. Bon. C'est pas grave. 52. 52 plus les 10 inis, ça va faire 53. Hop. Bon, ça c'est quand même pas trop mal, mais c'est un peu moche de se foirer là-dessus. Tant pis. Alors, toujours pas de succès crit à gauche pour l'instant. Ok, je suis à moins 1, 41, ça me fait 20 restants. Hop, et là on a vraiment un jet qui est. Ouais, bon, la vitalité qui est pas top du coup. Je peux mettre fusionner tout maintenant. Là j'ai plus qu'à guetter les succès critiques à gauche. Et on sera tranquille pour le reste. Allez, je suis à combien? Je suis à 3. On a une tenta PO là-dessus. Il y a qui ne passe pas. Bon là, j'ai les dommages haut à 9 et j'ai plus qu'une rune d'eau haut. J'aimerais vraiment que ça passe pour ne pas avoir à aller en racheter. Putain. Bon voilà, c'est fait. Alors la vitalité, parti comme ça. Je vais aller chercher les 250 piles. Ouais. Hop, moins 9. Et là, normalement. Ah ouais, non, je ne sais pas les piles que je pourrais avoir, mais je vais aller chercher quand même quelque chose d'à peu près propre. On va y aller avec de la récré. Hop, et bien sûr, on a un crit pile au moment où il faut pas, ça c'est vraiment classique. Du coup, j'ai un over récré beaucoup trop tôt dans le FM. Bon, c'est pas grave, hein, ça va retaper dedans du coup, mais c'est un peu dommage d'en arriver là. Bon, je vais monter le reste et je m'occuperai de tout ça plus tard. Là, j'ai. Là, du coup. Hop. Alors 5. Ok, moins 5 pour les dommages. La fuite, on est ici. Décidément, moins 16 pour la fuite. C'est pas souvent que ça me mange autant. Moins 7 pour le retrait PA. Et on va pouvoir y aller sur les petites caracs. Moins 3 ici. Et moins 3 ici aussi. Hop. Ce qui nous laisse donc 50 de puits. J'ai bien envie de passer la vie à 250 piles. Ouais, je vais faire ça, je peux le faire. Là, ça me fera. J'ai vraiment perf avec les 40 sagesse. Et de toute façon, comme c'est le PO à la fin, je suis pas une récré près, mais avoir la vitalité perf, ce serait quand même cool. Donc là, on a moins 3 et la petite rune pod qui va faire un moins 13. Et voilà. Et en plus, elle passe. Surprenant. Surprenant. Donc là, je suis à 47. Pod, ça pèse 2,5, il me semble. Là. Ok. Ouais, c'est bien ça, 2,5. Là, ça va me remettre un demi de puits. Du coup, je ne le compterai pas. Ok. Donc là, j'ai 47 restants à partir de là. Et encore une fois, il va falloir que j'interrompe mon truc pour aller racheter des runes. J'en ai marre. Ok, nous y voilà. Alors 47, c'est parti. Voilà, hop, on va aller chercher les moins 1 dans un premier temps. Voilà, on y est. 38, ça me laisse donc 19 ensuite. Hop. Allez, peut-être des petits crits. Est-ce qu'on va avoir un gros jet là-dessus? Oh, ça ne passe pas, c'est dommage, c'était vraiment très bien parti. Bon, deux réécrits. Franchement, si je peux avoir un PO là-dessus, je ne dis pas non. Faudrait déjà que le PA passe. Ah, décidément, ils ont du mal à passer les PA. Encore une tenta sympathique à 40 sagesse ici. Bon, la vitalité elle est à 245, ça m'embête un petit peu. On va essayer de baisser ça. Je vais faire ça en premier même. Hop, moins 6. 6, là il faut que j'enlève 2. On va y aller avec ça, comme d'hab. Ok, du crit.
Voilà, bon, c'est correct. C'est correct dans l'ensemble. Ensuite, les raises. Okay, on a quand même un G qui est plutôt bon dans l'ensemble. Moins 6. Les récris. Pardon, les deux cris. Moins 10 ici. 15. Et 20. Hop. La fuite, et on est presque bon là. 4. La chance à passer en over. Moins 3. 54 de puits restant. Ok, là on a vraiment une belle tentative. C'est parti, donc 54. Allez hop. J'ai pas beaucoup de succès crit, je trouve, quand je les passe comme ça. Comparé à d'autres fois où j'ai pu le faire. Ok, donc on a 22 à partir de maintenant. Là. Alors, ça dit quoi? On monte à combien là? 1. Le mieux qu'on ait eu pour l'instant, c'est 4, je crois, ou peut-être 5 dans des tentatives précédentes. Ok, on est à 3. Ça a du mal à monter plus haut que ça quand même. Hein. Et, allez, le petit PA. Oh, décidément. Bon, finalement, j'ai vendu quelques petits trucs et j'ai pu me reprendre 130 orbes et 130 runes. Donc, on va voir si on a encore quelques petits PA à casser là-dessus. Hop, nous y voilà. Eh bien, c'est parti pour le brisage. Je pense que je vais balancer directement la plus 3 esquive PA. On va essayer d'y aller de manière un peu ambitieuse. Allez hop, bon ça passe au moins. Ça ne brise pas le PA, mais ça passe. Alors 18, moins 21, plus 4. Hop, 1 de puits. Alors là, il y a les raises O qui ont pris cher. On va remonter ça tout de suite. Plus 0,2, plus 1, plus 10, et moins 6. On a donc 6 de puits. Je peux en remettre une. Ok, ça ne passe pas. Il va falloir remonter également les critiques assez vite. Hein. Hop. Alors là, j'ai plus 2. Plus 1,8. 6. Plus 2. Ok, 0 tout pile. Je vais essayer de remettre le critique. Ça se passe pas très bien là, concrètement. À mon avis, ça va être compliqué, mais c'est pas grave. Je ne suis plus à ça près de toute façon. Allez hop, ok. Et zéro quatre, trois, moins six. J'aimerais bien tenter des grosses runes pour essayer de péter le PA, mais ah là là, ça ne passe pas. Ok, je vais tenter la Rasa. Je suis un mec comme ça. Allez, 32 puits sur cette rune, tout le FM se joue là-dessus. Ok, bon, ça passe en succès neutre, donc au final ça change pas grand chose. J'aurais bien aimé que ça pète le PA. Tant pis. Alors là, j'ai plus 22,6, plus 1, moins 30, et plus 7. Hop. Bon, ce serait bien que la sagesse reste à 40. Ça nous ferait un truc bien propre. Là, je vais remonter. Ah, il faut que je m'occupe de la Vita. J'ai un moins 3 plus 3, moins 3, et je devrais peut-être y aller à la ravie. Hein. J'aimerais bien viser pour tomber proche de 400, mais tant que le PA n'est pas tombé, ça peut encore bouger, donc concrètement, autant y aller sur les grosses runes. Moins 10 ici, plus 6, plus 8. Là j'ai plus 1. Plus 7. Hop, 11 de puits. Ok, je vais tenter une crit. Est-ce que je m'étais planté là-dessus? Oui, c'était pas plus 7. Moins 3, plus 0,6. J'ai compté 3 pour la vitalité alors que c'était 0,6. C'est pour ça. Et donc là, j'ai moins 8. Ok. Ouf, heureusement que j'ai vu ça maintenant. Ça aurait pu foutre la merde pour la suite. C'est rectifié. Ok, un petit critique, c'est pas souvent qu'on en a. Plus 4, bon bah décidément, le PA là, il ne nous respecte pas. On a plus 0, ça n'a pas bougé, hop. Et là l'item il est un peu ruiné concrètement. Hein. Ah là là, quel dommage. Ça aurait pu bien se passer, hein, mais... 4, moins 15, plus 7, plus
4. Les répous là sont complètement massacrés. Il est d'un mètre 2. Oh putain. Du coup là j'ai moins 4, j'ai plus 3. Ah bien sûr ça passe. Moins 2. Moins 1. Hop. Plus 2,8. 3. Moins 6. Pas ça. Hop. Plus 0,2. Plus 8. Moins 27. Plus 6. Et je me suis complètement chié dans mon puits. Alors où est-ce que je me suis loupé? C'était pas 27, c'était 9 là, pas ça. Voilà où je me suis planté. Alors, on va mettre plus 27, moins 9. Ok, ça me paraît déjà plus acceptable. Moins 5, ok, là on est cohérent. Ah, j'aime pas quand c'est long comme ça à tomber, ça m'insupporte. Je vois mon item qui se fait ruiner. Là, on a plus 3. Normalement, je peux tenter une comme ça. Et okay, c'était pas plus 3, c'était plus 1. Putain, décidément, je fais vraiment de la merde dans le comptage là. Je commence à fatiguer. Donc là, on a moins 1. Et on a 4,8. Je compte le puits comme une merde. 0,6, moins 6. 2. Hop. Bon, là, de toute façon, même si le PA tombe, à mon avis. Allez, j'arrête de compter, ça ne sert plus à rien. C'est dommage, hein. C'est franchement dommage, bien sûr, c'est là-dessus que ça tombe. Bon, allez, du coup, je vais quand même compter, on va pas faire le chur. C'était où que je m'étais arrêté, là? Ça devait être là, hein. Plus 0,6, moins 6, ouais, c'était ça. Alors là, j'ai... plus 2, parce que c'est peut-être la critique que j'ai tentée. Là, j'ai moins 1. Ok, là j'ai plus 7, ouais j'ai plus 7 ici, 7, là ça bouge pas, là j'ai plus 0,6, moins 6, hop, là j'ai plus 4, et là j'ai plus... 94. Ok, 102 depuis normalement, si je me suis pas trompé. Il est loin d'être sûr, mais bon, on verra bien. Je vais commencer par la Vita. Hop, on va pas trop se casser la tête. Ok, ça nous fait un moins 20 depuis pour la Vita, c'est plutôt correct. Ensuite, l'agilité, je pense que je vais y aller un peu ligne par ligne là sans trop me casser la tête. Ok, on a moins 9 ici. Moins 19. En tout cas, le G est très propre pour l'instant, mais à mon avis, on n'ira pas au bout, donc hein, ça servira pas à grand chose. Bon, allez, je vais quand même y aller sur les résistances. Ok, on a du critique là, c'est plutôt chouette. Je vais tenter la Pado R assez vite. Là, j'ai déjà 15. Moins 30 là-dessus, ça fait mal. Et bien sûr, il ne nous restera pas grand chose hein, pour terminer. On va mettre les répous. Allez, 1, 2, 3, moins 18, 15 de puits restant là-dessus. Bah là, il va falloir tout miser sur les restes, bien sûr, mais je doute qu'on arrive au bout. Hein. Ouais. C'est dommage. Bon, on va tenter un PA. Si des fois on a un PA à briser sur ce jet, là, ça peut vraiment donner quelque chose de bien, mais ce n'est pas le cas. Bon, bah j'essaie d'en repasser, hein, et je vous retrouve s'il y en a un qui passe. Hop, et bah je commençais à plus trop y croire, il me restait plus beaucoup de runes, mais j'ai un deuxième PA qui est passé là-dessus. C'est parti. Alors, la sagesse, hop, qui crit, ok, ça commence pas trop mal, on arrive directement à 40. Là, je vais vraiment spam les grosses runes, hein, parce qu'il faut, en fait, il faut juste casser le PA le plus vite possible. Et apparemment, bon, alors là, encore une fois, y a pas vraiment de preuves, hein, mais il semblerait que les grosses runes le fassent tomber plus facilement quand même. Hein. Là, j'ai plus 4, moins 9... Plus 7, ok. Dès que les esquives PA seront à 12, j'irai sur la part et pas. Là, je vais mettre la rage. Ok. 3. Donc la part et pas. Hop. Ok.
Plus 100, moins 21. Ça aurait été vraiment bien qu'elle passe concrètement là, parce que ça m'a... Ça m'a du coup bouffé 21 de puits. Si j'avais eu un succès neutre, ça aurait été vraiment bien. Et là, on aurait pu viser du gros jet. Alors, malheureusement, là, on a quelque chose de... Qu'est-ce que c'est, ça? Absolution... Ouais, c'est correct, hein. C'est correct, mais c'est pas fou sur PPA. Hop. Alors, les 18 dommages R me mettent au fond, en fait, concrètement. Là, je vais devoir... Je vais tryhard les 20, hein, concrètement, mais ça risque de me défoncer mon truc. Ok, là j'ai moins... Oh, ça s'est très bien passé. C'est très rare que ça bouffe aussi peu de puits pour y arriver. Donc là, j'ai juste un moins 10 pour arriver à 20. Là, donc, plutôt un coup de chance. C'est pas mal. Alors, la vitalité... Ouais, bon. Il faut que je mette un over-repou, là. À moins que je le laisse comme ça. Ah, ça me dérange d'avoir les 34 quand même, mais l'item n'étant pas facile à FM, c'est peut-être plus sage d'essayer d'avoir un truc bien là-dessus, parce que j'ai plus de Kama et j'aimerais bien quand même de pas... Là, je dois être à peut-être 50, 60 millions déjà claqués dans les runes là-dessus. Je chie pas des Kama non plus, hein, quelque part, donc il faut falloir que ça s'arrête un jour. Bon, on va voir. Je vais déjà essayer de remonter le reste. Ok, là, j'ai moins 12. Là, je suis à moins 30. 10, 42, 48, et bah décidément, 14 depuis restant, bah je me suis flingué l'FM sur les res, là, c'est dommage. C'est franchement dommage, 14 depuis, on va faire quoi? On va tenter les esquives PA, moins 14. Il me reste donc pratiquement rien comme puits. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tente un PA là-dessus? Est-ce que je tente un pourcent de res feu? Oh, si ça passe, ça me fera un truc à peu près jouable. C'est quand même dommage, il manque le crit, il manque les esquives PA. Bon, le reste est pas trop mal. Allez, ah bah bien. Bien, bien, bien. Oh, j'ai envie de tenter un PA, moi. Parce qu'il me reste 15 runes après. J'ai très envie de tenter un PA. Ouais, je vais continuer à try les petits... Si je peux avoir un succès crit là-dessus, éventuellement. Allez, bien. Bon, allez, ça part en PA. Ça part en petit PA, dommage, bah, est-ce que je peux avoir encore un PA brisé sur les 15 runes restantes? Je ne sais pas, on va voir ça. Enfin, on va voir ça, si je vous mets pas ça après dans le montage, c'est qu'il n'y en aura pas eu. Bon bah on va en fait pouvoir encore briser quelques PA, enfin du moins essayer d'en repasser, j'ai vendu quelques trucs et j'ai pu racheter des runes. Je me suis un peu foiré, j'ai pris trop d'or par rapport aux runes, j'ai plus de Kama pour en acheter parce que les prix ont un petit peu monté. Là les runes GAPA sont passées à 4 millions, 4 millions, ouais 4 millions 7 les 100 quoi, alors qu'avant c'était à 3 millions. Ça c'est à cause des récentes mises à jour et pareil le prix des pépites et des orbes a vachement monté donc j'en ai pas autant que ce que j'aurais escompté. Bon, c'est pas grave, je retrouve si j'arrive à passer un PA. Aucun PA sur cette série, dommage. Bon j'ai à nouveau un PA là à vous briser, j'ai fait peut-être plus de 200 tentats depuis le dernier PA que j'ai pété. Je suis en train de défoncer mes items et mes Kama et mes nerfs sur cet item. Ça me saoule vraiment, et là, même ici, je suis très pessimiste sur ce qu'on va avoir. Bon, allez, on va tester, hein, mais le G est un petit peu dégueu, à mon avis, ça va pas donner grand-chose. Hein. Allez, c'est parti, on teste. Alors, j'ai plus 3 ici. Hop, la sagesse dégueulasse. Ok, je vais la laisser comme ça pour le moment. Bon, heureusement, il y a les esquives PA et les crits qui sont corrects, mais là, le reste, c'est quand même pas fou. Hein. Là, j'ai moins 1. Hop. Les 2 R, ce serait bien que ça passe à 17. Je vais remonter la res ici. Hop, on a plus 3. 7, moins 6. Ça nous fait 6. Allez, on va retenter une res. Je vais les laisser comme ça. J'espère vraiment que le PA va tomber assez vite. Moins 6. Allez, là, il faut pas la laisser à 41. Alors là, j'ai plus 2. Hop. Et plus 4. Est-ce que je tenterai pas la part et pas? Ça pouvait tomber là-dessus, ce serait quand même correct. Oh putain. Moins 1. Bon, super. On vient de ruiner le FM là-dessus. Là j'ai quoi? J'ai 18, ça me fait un moins 3. Hop. Allez. 3, 6, moins 10,
Ah, à moins d'avoir un crit sur l'esquive PA, à mon avis, on n'aura rien du tout. Là, j'ai plus 1,8, plus 7, moins 6. Hop. Ouais. PA, ok, moins 2. Je vais peut-être tenter une pas de R. Si le PA pouvait tomber là. Oh putain, c'est pas vrai. Plus 6, plus 10, moins 15. Bah allez, je continue de tenter. Hein. Voilà, bien sûr, toujours trop tard. Plus 85. Là, franchement, avec le jet qu'on a, je sais pas ce qu'on va pouvoir faire, mais j'y crois très moyennement. Hein. Allez, on va y aller comme ça. La J, 10. La vitalité elle est dégueulasse mais je vais pas pouvoir la remonter hein. Ça sert à rien que je sois trop greedy, on va essayer d'avoir un truc à peu près correct. On a 2 ici, moins 24 là-dessus. Répou, hein, il va me les falloir bien sûr. Alors là j'ai moins 18. J'ai 2 en plus, je pourrais limite tenter... Est-ce que je tente de la rune vie? Ça a très peu de chances de passer, mais sait-on jamais. Ok, bon, du coup, ça ne dit pas mon puits. Ça aurait été bien que j'en ai une petite qui passe, ça aurait fait un peu plus propre sur la Vita. Tant pis. Allez, moins 6. 12 là-dessus. Il me reste 23. J'ai encore la sagesse à remonter, les crits et les esquives PA. Ça va être compliqué. Hein. Je vais y aller sur les esquives PA. 14. Il reste même pas de quoi passer un crit. C'est chiant. Qu'est-ce que je fais là avec les 9 qui me restent? On va tenter la passa. De toute façon, je vais tenter un peu à derrière. Voilà, j'ai plus de puits. Et le PA. Dommage. On fait une petite pause dans nos brisages PA pour faire un repassage de PM sur un item d'un abonné. On est parti, invité à corps de mage G. Pas le bon truc. D'accord. Hop, donc c'est des bottes cours sombres avec un G vraiment sympa. On va voir ce que ça donne. C'est du 3%, il me semble, il a montré ça tout à l'heure. On va voir ça, voilà. 3% res haut sur un G qui est presque perf, sur un item qui est pas si facile que ça à FM. Avec quand même les 50 sagesse, les doubles 20 d'eau, c'est pas mal, c'est assez propre hein, ce qu'il nous a fait là. Bon, il manque 2 de force pour que ce soit vraiment, vraiment sympa, mais. Mais bon, est-ce qu'il veut que je signe? Ah bah j'ai pas les runes, hop, sur moi. Allez, PM. Ah, dommage pour lui. Dommage, le G était vraiment, vraiment chouette quand même. Hein. Tant pis. Bon alors moi de mon côté, ça fait un moment là que je vous ai filmé la dernière séquence de la vidéo de FM. J'étais à sec en Kama pendant un bon moment. Et je pouvais plus acheter de quoi faire mes tentas brisage PA. Sauf que là, je me suis connecté tout à l'heure et j'ai vendu, comme vous le voyez... Une alliance Glourson qui était Exopea en j'ai presque perf, moins 7 vitalité. Donc 36 millions et bah, on va mettre tout ça dans le FM. Ça commence à faire quand même beaucoup de Kama qui sont investis dans mon brisage PA. Ça, je pense que je vais bientôt arriver sur les 200 millions. Bon ça me dérange pas mais j'aimerais bien quand même au bout d'un moment avoir mon item parce que là c'est un peu dur pour le moral. Voilà donc ce que je vais faire c'est que je vais aller m'acheter mes petites runes, mes petites orbes. Et puis bah, je vous retrouverai pour les passages. A tout de suite. Bon, bah j'ai réussi à vider l'HDV des pépites. Je viens d'en acheter 67 500 là. Et alors déjà c'est ultra chiant parce que j'arrête pas de spam le entrer, acheter, acheter, acheter. Enfin c'est super long, là ça fait 10 minutes que j'y suis. Mais bah, j'ai réussi à le vider, donc ça fait chier. Je vais devoir aller prendre des orbes directement toutes faites, mais ça coûte un peu plus cher. Bon, tant pis, c'est assez, assez amusant quand même de voir que j'ai réussi à vider l'HDV. Bon allez, je vous retrouve tout de suite. Nous y voilà, alors bon bah je vous montre un petit peu mon historique là, ça fait quand même pas mal de runes et d'orbes que j'ai dû acheter, les petits 100 orbes à 10 millions de kamas là qui font un peu mal. Puis bien sûr ça fait une heure que je cherche un vendeur de pépites et que je me fais chier à les prendre à l'unité et juste quand j'ai fini de les acheter on me dit que voilà j'en trouve un, il y en a un qui veut m'en vendre. La classique. Bon bref voilà donc j'ai 260 tentatives là, j'espère vraiment que là dessus je vais pouvoir terminer mon FM parce que ça commence à devenir assez dur pour le kama et pour les morales. Non, pour les kamas et pour le moral, voilà, c'est mieux comme ça. Donc je vous retrouve bah, dès que j'ai un truc à péter. A tout de suite. Et le premier PA arrive au bout de 12 runes, donc plutôt pas mal.
Le G est, voilà, est pas trop dégueulasse, on a les 42 sagesse, les raies sont à 9 sur 10, donc c'est pas mal du tout, les esquives PA sont là, bon. Voilà, va falloir remonter les dos R, l'agilité qui est un peu basse, mais bon, l'agi ça coûte pas très cher en puits, c'est pas trop un problème. Bah, tout va dépendre, hein, comme d'habitude, du nombre de runes au bout duquel le PA va réussir à tomber. Alors c'est parti, je vais peut-être mettre les dommages R à 17. Alors là on a 1,2, plus 10... 5. Je vais tout de suite essayer de remettre les critiques. J'ai moins 3 ici. Hop. Alors, moins 10. 7. 6. Les répous. Je vais les laisser au-dessus de 26, les répous, je pense. Alors, je vais tenter les la part et pas assez vite. Ok, un petit critique là-dessus. Allez, si le PA pouvait tomber là, ce serait vraiment sympathique. Non, ça ne tombe pas, mais au moins, j'ai pas défoncé mon item. C'est passé. Alors là, j'ai plus... 15, moins 21. Ok, ça me met à 0,2 depuis. Yes! Yes, yes, yes. Plus 91. Enfin, j'ai une tentative qui ressemble à quelque chose. Là, j'ai les 15 esquives PA. Les répous vont arriver tout pile à 35. La J va arriver à 60 piles. Là, franchement, il y a moyen de faire un truc sympathique. Allez, je mets tous mes espoirs sur ce brisage. Ce serait bien en plus que ça passe là-dessus, parce qu'après, je pourrais directement enchaîner avec un autre item à briser, enfin, à faire en brisage PA. Je pense que je referai une ceinture de Vortex, peut-être, ou un truc comme ça. Ou alors, faudra peut-être que je fasse des FM un petit peu plus tranquille, histoire de calmer mes nerfs, parce que c'est vrai que je m'attaque à des choses assez ambitieuses. Et c'est souvent assez, assez camavore, si je puis dire. Bon, là, il faut que je monte de 30 la Vita. Bah, je pense que ouais, il faut que je fasse un over tout de suite. Allez, moins 20, ça aurait pu être pire, c'est pas trop mal. Il me faudrait un truc qui pèse 4, idéalement, je n'en ai pas sur cet item. Ok, donc je peux y aller avec une rune agi, et ensuite je récupérerai le surplus depuis. Ok, on a du crit, c'est plutôt cool. Là j'ai plus 0,2, mais ça on s'en cogne un petit peu. Je vais mettre une rune d'initiative pour enlever le petit over vita. Ok, c'est pas trop mal, dommage, j'ai eu un moins 6, j'aurais préféré un moins 5, mais ça reste correct. Je vais tout de suite passer les grosses runes qui me font le plus peur, comme ça voilà, on se déleste de ce genre de choses. Ok, là j'ai un moins 4. 67 depuis restant. La Pado R, hein, là, qui est le passage le plus délicat du FM. Et ça crit. Ça crit. Waouh. Allez, le petit critique, moins 10. Ok, on n'est pas du tout. On est pas mal du tout là, franchement. Alors je vais remonter la J. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais sérieusement, 11, 12, 13, 14, 13. Moins 39 depuis pour passer 6 d'agi, quoi. Oh, j'en ai marre de ce jeu. Allez, 2, 3... Putain, mais... C'est chiant. C'est franchement chiant. Ah, il aurait peut-être mieux valu que je reste en dessous des 50 et que j'aille à la rage, mais bon, enfin, normalement, ça passe quand même relativement bien, jusqu'à 60. Oh, putain, c'était tellement beau comme tenta. C'était tellement beau comme tenta, j'ai vraiment les boules là. Bon bah, ça va partir en PA je pense. Hein. Oh, c'est tellement triste. Bon bah allez, on y retourne, mais putain, ça partait tellement bien quoi, franchement. J'ai les boules là, j'ai vraiment les boules. Défoncer le puits comme ça, tant pis. Bon bah, sur les 248 tentas restantes, aucun succès, aucun PA. J'ai dégoûté du jeu là, c'est un peu en train de me blaser. Est-ce que ça vaut la peine que je rachète un tout petit peu de trucs avec les kamas qui me restent? Ouais, je vais tester ça, puis s'il n'y a rien qui passe, je vous le mettrai même pas en vidéo. Je suis un petit peu saoulé là, franchement, pour le moral, c'est un coup dur, surtout que je suis passé vraiment à côté d'un truc potentiellement pas mal du tout. Bon, ça fait partie de la FM, mais bon, ce genre d'items sont vraiment très durs à FM, c'est à se demander la pertinence de mettre ce genre de choses dans le jeu, ou peut-être revoir un peu le système voilà, pour ce genre de truc. Je sais pas, je suis un peu saoulé. Bon, après, c'est vrai que je suis très exigeant, mais bon, quand même, là c'est dur. Bon bah, finalement, je repasse un PA, j'ai pu racheter 7 orbes, et enfin 6 ou 7, ouais, orbes et runes, et il y en a un qui passe là vraiment tout à la fin, donc bon, voilà, on va essayer d'en faire quelque chose. Comme quoi, il faut jamais trop désespérer, mais bon, là, au stade où j'en suis, je vous avouerai que je crois pas vraiment à grand chose, hein. Alors, on a plus 3 ici, je vais tenter directement... Ah non, je vais peut-être remonter le cri avant, hop. Cri qui ne change pas le puits. Boum. Ok, ça n'enlève pas le PA, je vais m'occuper des dommages R tout de suite. Là j'ai plus 15, j'ai plus 6,
et moins 21. Et allez, on va y aller à la pas de R comme des bourrins. Ce sera très bien. J'ai plus 0,6. J'ai plus 6 et moins 5. Allez hop, encore une fois, le petit crit. On va tenter les deux pas de R là. Alors plus 1, plus 10, moins 15. Ah, décidément, le PA qui ne tombe pas. Hein. Là, j'ai plus 3. On va remonter les critiques. Plus 0,6, plus 6, moins 10. Les restes qui sont un petit peu amochés là. Ok, on a du critique. Là, j'ai plus 5,6 pour la Vita. Non, après, ça ne change pas. On a plus res, moins res. Ok. 5,8 depuis. Je vais remonter un petit peu la res haut, qui est trop basse. Ok, ça passe pas trop mal. On a un moins 5 ici. Ensuite, on a plus 0,2. Voilà, vous voyez l'intérêt de compter les décimales depuis. Là, j'ai récupéré 1 depuis grâce aux petites fractions qu'on a grâce à la Vita tout à l'heure. Plus 5 et moins 6. Ok, je retombe à 0 pile depuis. La vitalité là, elle est un petit peu moche. Ok. Donc là, j'ai plus rien du tout. Hop, ok, le critique, c'est chouette. L'agilité, je vais la laisser comme ça pour l'instant. Il faut que je remonte un peu la sagesse qui est trop basse. Plus 8, plus 5, moins 9, moins 4, hop. Alors plus 6,2, plus 3, moins 9, hop. Bon, on va continuer sur la sagesse, hein, il va falloir la passer. Plus 4,6, 6. Et moins 9 à nouveau. On va revenir sur la Vita. Ok. Critique. Plus 7,4. 3. Moins 10. Ça commence à devenir un peu embêtant là au niveau de l'agilité également. D'accord, là on a un plus 2. Bon, de toute façon, là, c'est ruiné, hein, clairement. On n'en fera rien de tout ça. Plus 2,4, moins 10. 6. 2, moins 10. 6. Hop. Je vais essayer de mettre des grosses runes, hein, mais allez, hop. Plus 91. Voilà, clairement, j'aurais rien du tout. Je vais y aller à la pavie, je vais la forcer, sinon ça va être trop compliqué de faire un over. De 333, ça peut passer à 348. C'est pas évident à ce stade, mais on va tester. Ok, voilà, moins 6, c'est correct. C'est mieux que d'avoir défoncé du puits sur un over, là, ça aurait été un petit peu trop, trop gourmand, je pense. Moins 10. Les restes qui sont à 5, quoi, les dommages à 18, on ira nulle part, hein, clairement, là. Allez, on va faire ça vite fait. Ok, bon, si j'ai du crit comme ça, ça peut le faire, hein, par contre. Ah, moins 30 sur la J, c'est dommage, ça partait plutôt bien. Et on va s'occuper des restes, là, mais clairement, ça va être un problème. On a 4 ici, 5, 6, 7. Allez, hop. Et puis, on a un PA là-dessus. Bon allez, on se retrouve pour 130 tenta. Je fais quand même encore un commentaire sur le temps qu'il faut pour acheter les pépites. Là, donc j'ai fait 130 orbes, hein, donc ça correspond à 65 000 pépites. Je viens de passer 10 minutes à spam l'HDV, là ça fait acheter 650 lots de 100 pépites. Faudrait peut-être revoir ce système de vente, parce que bah, quand on trouve pas un fournisseur ou un mode marchand qui vend en masse, on y perd un temps fou à acheter cette merde là. Donc bon voilà, je fais un petit commentaire là-dessus au passage encore. Et bah, je vous retrouve dès qu'un PA est passé. Et il aura fallu 5 runes pour avoir le premier PA, donc bon, c'est plutôt une bonne chose. Même si, franchement, là, je suis un peu démoralisé de la forge magie, du jeu, de tout ce que vous voulez, après toutes les thunes que j'ai mis dans cet item, et j'ai l'impression que j'aurai jamais un G correct. Mais bon, on va quand même aller jusqu'au bout. Allez, ça passe pas, ça. Alors, on a moins 21, plus 24. Hop. Plus 10. 12. 21,
Plus 4. Hop. Alors. Plus 6. Moins 10, hein, pardon. Hop. Alors, j'ai 4. On va mettre pas de R. Et là maintenant j'en ai un peu marre d'essayer de maintenir le G, je balance les runes les plus grosses que je peux à chaque fois dans l'espoir de faire tomber le PA, mais bon c'est pas forcément le. Je sais pas, j'essaie différentes manières de faire hein, parce que je suis un peu démoralisé. Plus 12, ok, alors là c'est quoi la rune qui pèse le plus? Là je peux balancer une plus 10, on va y aller peut-être sur l'AJ avec une rage. Ok, plus 1,6. 14. Moins 10. Hop. Ok, moins 2. Moins 4, je voulais dire. Hop. Alors, on a moins 10. Plus 8. Ok, bon, a priori, je me suis pas trop planté dans le puits, c'est cohérent. On a soit à 0,6 et plus 94. Bon, alors là, quand je vois les raies où elles sont, j'y crois pas beaucoup. Alors, en revanche, ce qui est bien, c'est que la vitalité, là, il n'y aura pas besoin de la retoucher. Bon, on va voir ce qu'on fait. Ok, on a du critique. Deux runes qui ont pris leur poids. 3, moins 18. Bon, c'est correct pour un début. Les répoux. Les répoux, je pourrais pas les monter à 35, je vais aller à 34. Parce que là, c'est un peu. C'est un peu compromis. Je vais monter la J. Hop, ça crit, chouette. La sagesse, est-ce que j'y vais maintenant à 39? Oui, de toute façon, il va bien falloir la passer. Et on a du double crit, ok, c'est pas mal. Est-ce que le FM Infernal va se terminer là-dessus? Ce serait bien. Bon, alors pour les répoux, je suis quand même bien embêté. Je vais les garder pour la fin, je verrai ce que je fais. En attendant, on va y aller sur le critique, moins 10. Les esquives PA, bien sûr. Moins 14. Bon, les raises, là, il y en a pas mal à remonter. Hein, ça va me coûter assez cher, je pense. Ok, on a un petit peu de critique, c'est pas mal. Je vais y aller de manière alternative comme ça. Ok, j'ai deux qui ont coûté leur poids. 3. 4. Et 5. Moins 30. Ok, il me reste 22,6 de puits. Et là, je vais balancer deux runes comme ça. Voilà, une. Deux. Donc. Moins 12 et ouais j'ai le cœur qui bat là tellement j'en peux plus de ce FM. Ok donc j'ai 10,6 de puits, ce qui veut dire que je vais avoir une tentative pour de la raise. Et qu'il va me rester 4 de puits, donc au lieu de laisser 4 de puits inutilisés, je vais tenter les répoux. Alors j'aurais peut-être pu mettre les répoux avant, mais j'étais pas sûr que j'aurais du succès comme ça, donc voilà, ça aurait pu se passer autrement, auquel cas ça aurait été peut-être mieux que je garde le puits en rab. Donc pas de regret, allez j'ai deux tentats là-dessus, si je peux passer à 35 c'est vraiment chouette. Ok bon ça me laisse donc une tentative, alors j'étais parti à la base sur de la res feu. Peut-être que ce serait mieux de mettre de la res air, alors pourquoi changer comme ça en cours de FM? Parce que entre temps j'ai eu l'annonce de la mise à jour 2.47 avec le nerf des mules d'eau et notamment les res, hein, ils font maintenant 8% de res au lieu de 11 quand on prend un mule d'eau bi-élément. Donc je vais peut-être me retrouver avec du manque de res air dans certains de mes stuff, et je pense que ouais, res air sera plus intéressant que le res feu. Allez, si elle pouvait passer, ça me ferait un bien fou. Non mais c'est tellement classique. Tellement classique. Bon, qu'est-ce que je fais? Il me reste encore 125 runes à faire derrière. Est-ce que je tente un PA? Est-ce que je laisse comme ça? Je sais pas trop. Oh, ce serait quand même dommage de s'arrêter là après tout ce qu'on a enduré. Mais je tente un crit. Enfin, je vais tenter un PA. Bon, où j'en suis. Par contre, si j'ai un PA là-dessus, je suis refait. Bon, j'aurais vraiment les boules pour les 34 époux qui m'empêcheront de dormir pendant un moment, mais bon, ça ferait quand même plaisir. J'hésite un petit peu. Bon, bah, je vais tenter le PA. De toute façon, après tout ce que j'ai investi en Kama, en temps, en énergie dans cet item, je vais pas me contenter d'un G comme ça, sachant que j'ai eu des opportunités d'avoir mieux. J'aimerais au moins avoir 1% dessus, donc, et en plus ça y a le 34 époux, donc je vais tenter le PA. Bon, si ça passe, je serais quand même pas trop mal. Allez. Dommage. Hop, 48 runes plus tard, à nouveau un PA.
Le G est pas mal. Le G est franchement pas mal. Je vais pouvoir tenter directement la pad OR. Les esquives PA sont à 15. Enfin, globalement, on est sur un truc correct. Si le PA tombe assez vite, s'il pouvait tomber là sur cette pad OR, on serait vraiment bien. Allez. Hop, bon, au moins ça passe. J'espère que les dommages R ne vont pas repasser à 19 ou 18 pendant le FM. C'est un petit peu embêtant. Alors, je suis à 3, plus 12, moins 15, ok. 0, hop. Ah, bah, de toute façon, il n'y avait pas de moins ou plus reliquat, j'aurais pu le voir plus tôt. Je vais y aller sur la crit. Ok, plus 2. Ensuite, hein, donc là, je pars toujours dans l'optique de mettre systématiquement la ruine la plus lourde que j'ai de disponible. Là, on va y aller sur une rage. Je passe pas, malheureusement. Je fais un moins 2. Ah putain, c'est ce que je voulais pas, ça. Pas grave, hop. Et le petit critique, bah, je vais continuer sur les raises. Ok, c'est pas trop mal. Bon, décidément. Ce serait bien que ce soit une fois que le PA est tombé, que ça me fasse ça, ce serait un peu mieux. Alors là, j'ai plus 2, plus 5. Et ensuite, ça s'annule. Putain, plus 5. 3, je voulais dire. Voilà, donc ça me fait 5 depuis. Et on va pouvoir tenter la petite passe à. Dommage. Je fais 1. Là, j'ai moins 4, moins 5. Hop. Oh, ce serait bien que le PA tombe là. C'est vraiment pas mal. Là, j'ai plus 3 là-dessus. Hop. Les raises, hein. Allez. C'est ce qu'on a mieux à faire pour l'instant. Pas de modification de puits. Et le PA tombe. Ok, c'est pas trop mal. Bon, les dommages sont à 18, ça me fout au fond. Cela dit, hein, ça m'est déjà arrivé de réussir à les remonter à 20 relativement facilement. Faut avoir un petit peu de chance, mais c'est faisable. Hop. 97 depuis. Bon, la J va arriver à 60 assez bien. On a les répous qui vont être à 35. La sagesse est à 40. Là, il y a moyen d'avoir un gros G quand même. Si ça se passe bien, hein, bien sûr, c'est toujours sous réserve que ça se passe bien. On peut avoir un truc sympa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ouais, c'est mort. C'est mort, hein, pas de regret. De toute façon, j'aurais jamais laissé un 19 de R, pas après tout ce que j'ai mis dans l'item, donc pas de regret. Dommage, on perd cette tenta. Bah, je vous retrouve si j'en repasse un. Et on n'aura pas d'autres PA à briser sur cette série. Bon, alors pas mal de temps après vous avoir filmé le dernier brisage, j'ai à nouveau un PA à péter, mais j'ai eu une poisse incroyable, j'ai eu plein de séries de 100 tentas où j'ai passé aucun PA, donc je vous les ai pas mises dans la vidéo. Et là j'en ai un qui est passé tout à la fin, il me restait 4 runes et 4 orbes, et enfin je peux en briser un. Bon, j'espère vraiment que je vais réussir à finir ce FM un jour, là je commence à plus trop y croire, mais bon, en plus là on a un G qui est pas terrible terrible. Si le PA tombe assez vite, on peut peut-être avoir un truc intéressant, mais j'y crois pas trop, bon c'est pas grave, allez on va tenter. On va tenter, donc là je garde l'optique de mettre les runes les plus grosses en priorité. Hop, ok, ça commence par un échec. Alors, j'ai plus, est-ce que je sais encore compter des puits moi? Ça doit me faire 8,4, hop, plus 10, plus 5, moins 21, ok, hop. On va enchaîner là-dessus, ok, bon, le FM est déjà ruiné, c'est cool. Là on a moins 2, hop, le FM est déjà ruiné, ok, critique, et plus 90, je prends pas une seconde, hein, mais bon, alors la vitalité, bon, au moins la vitalité a tombé à 391, ça va être à peu près correct, on va dire, là je peux vraiment pas me permettre de chipoter sur les G, normalement je vise du 399 idéalement, et 396 mini vraiment. Mais là, sur ce genre de truc, je peux plus me permettre d'être aussi exigeant. Donc, ça nous fait 80,4 depuis. L'agilité, je vais la monter à 60, je vais pas me casser la tête. Est-ce que ça peut être intéressant, peut-être que je garde l'agilité pour faire des over plus tard, avec une rune qui ne pèse que 3. Non, pas vraiment, parce que là, a priori, j'aurai pas d'over à faire, et il y aura que de la répou qui ne partira pas en over de toute façon. Donc, je monte l'agilité, tranquillement. Alors, j'ai 2, 3, 4 runes qui prennent leur puits, moins 12. Et on va y aller avec 2 raages, ça passera mieux pour la fin, et on a un moins 30, putain ça fait mal. Bah déjà avec ça je vais pas aller très loin malheureusement, allez les dommages R, si j'ai un crit là-dessus ça peut le faire, ah, génial. Génial, bon ok j'ai le crit mais j'aurais bien aimé l'avoir avant que ça tape dans le puits. On va voir ce qu'on fait avec les raises mais je ne pense pas qu'on aura quelque chose de concluant. Moins 18, et je n'ai plus de puits. Bon, alors là, je vais directement partir sur un PA.
Dans le meilleur des cas, le PA passe, je tente une pas, pas esquive PA, ça casse le PA, ça passe et je fais un pur G. Bon allez, sauf que le Père Noël n'existe pas et ça ne va pas marcher bien sûr, tant pis. On enchaîne avec un brisage PM pour un abonné, voilà, qui m'a demandé de le faire. Alors il a conscience que c'est assez risqué comme FM, mais bon, il n'arrive pas à vendre le voile comme ça, son voile d'encre PM qui est quand même plutôt correct, hein, on va dire. Bon, c'est pas incroyable, mais c'est déjà du G correct. Et bon, on va espérer que ça tombe assez vite, que le PO ne va pas trop nous embêter et qu'on va arriver à faire quelque chose. Voilà, et sinon par rapport à la séquence précédente, j'ai relancé le client pour avoir le son, puisque là il vient d'avoir la mise à jour 2.47 et il y avait je pense quelques petits bugs et je n'avais pas le son sur la séquence précédente. Bon, c'est un détail. Alors je vais lui demander quand même quel genre de G il vise. Est-ce qu'on va chercher les 39 sagesse, ce genre de choses? Histoire qu'on soit sûr. Est-ce qu'il y a besoin d'aller chercher des runes? Non. De toute façon j'ai les miennes, je pourrais lui assurer. Je sais même pas. Bon, ok, on va tester. Alors, ça peut être intéressant de chercher le Dido. Je serais d'avis à tenter de casser le PM avec des dommages, mais si ça se passe mal, on défonce l'item, quoi. J'espère qu'il aura plus de chance que moi sur mes derniers brisages, parce que franchement, c'est pas trop ça en ce moment, hein. Overvita, pour 100 res, pour 100 dos. Je dirais, on va déjà voir si on arrive à péter le PM et après on réfléchira à ce qu'on fait. Oh! Ah putain, j'ai cru que c'était le PM qui était tombé, mais non. Bon, en tout cas, le dommage est passé, c'est déjà remarquable. Alors, on a plus 12. Plus 1. Plus 12. Et moins 20. Hop, 5 depuis. Je vais y aller sur la sagesse maintenant. Non, non, c'est bon. Hop. Je peux clairement lui assurer mes runes, hein, vu le nombre de kamas que je démolis sur ma cape. Là, je suis pas à quelques dizaines de milliers de kamas près. Hein. Ok, la sagesse qui crit, on va tenter à nouveau. Ok, là on a un petit moins 5. On retombe à 0 depuis. Tant que le PO tombe pas, à la limite ça va. Si le PO tombe, là ça va être plus compliqué. Alors j'ai plus 4, plus 1, plus 5, moins 9. Je vais tenter de remettre le dommage. Ah, il faudrait vraiment que. Il faudrait vraiment que on arrive. Pourquoi j'ai. Je peux avoir mon reliquat, j'avais pas 14 de pile. C'est bien 20, un dommage. Oula! Ah oui, c'est parce que j'avais compté un. Hein. Putain, merde. Ok. J'avais compté 5 au lieu de 20, donc j'ai plus 15. Et là, ça me fait donc plus 6, moins 20. Ok, j'ai donc 2 depuis. Oui, effectivement, dommage, hein, c'est bien 20. C'est des runes qu'on manipule peu parce qu'elles sont plus trop présentes dans le jeu. Avant, c'était sur beaucoup d'items. Maintenant, on a plutôt des dommages eau, enfin des dommages élémentaires, quoi. Eau, terre, feu, air. Neutre éventuellement. Allez, il faudrait que le PM tombe. Putain, c'est là, c'est chiant ça. Bon. Plus 10 ici. Plus 6. Plus 6. 20. Il faut quand même que je continue. Moi, je vais essayer de remonter les. Ça part bien. Non, non. Non, non, pas du tout. Ça ne part pas bien. C'est bien ça le problème. Alors, plus 2, plus 6, moins 10. Oh, je vais continuer à spam le dommage, hein. Il faut vraiment qu'on fasse tomber le PM de toute façon. Hein. Donc, ok, au moins ça passe là. J'ai donc un plus. Plus 18 et moins 20. On retombe à 0 depuis. La sagesse qui arrive à 26, on va y aller avec une passa. Ok, donc là on a plus 3. On a moins 3. À nouveau 0. Alors est-ce que je tente une Rasa? Ça peut défoncer l'item, mais il faut vraiment qu'on casse le PM. Et plus le FM passe sans qu'on casse le PM, plus on descend le GPA à peu parce que l'item il est trop lourd avec le PM dessus. Je vais tenter une Rasa. En espérant que ça fasse pas de la merde. Ah bon, ça fait tomber le PM, mais elle passe pas quoi. Elle passe pas donc au niveau du puits, on perd 30 pour rien, c'est un peu chiant. Plus 60 de puits. Bon, on va voir ce qu'on peut en faire. J'ai déjà commencé par remonter critique. Ok, moins 10. Oh, on va pas aller très loin, j'en ai peur. Hein. Les res. Je vais toutes les remonter, puis je compterai à la fin, j'en ai combien. Hop. Oh putain. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Moins 36, on va rien faire du tout avec ce G. On va rien faire du tout, j'en ai bien peur. Parce que t'arrivais pas à le vendre. En vrai, si la Rasa était passée en faisant tomber le PM, on aurait eu un truc potentiellement sympa, mais là c'est compliqué à récupérer. Je vais lui mettre la force à 38, moins 3, et y aller sur de la Rafo. Et on n'a plus de puits, c'est bien Dofus. Bon, cela dit, quand l'item il est à 10 dos, hein, c'est pas forcément évident. AFM comme ça. On aurait peut-être pu laisser à 9 dommages, remonter l'item et tenter le dernier dommage à la fin, mais bon, c'est une bonne manière de défoncer son G aussi. Est-ce qu'on tenterait pas un petit PA là-dessus? Bon, il avait conscience, hein, je lui ai dit qu'on pouvait le péter, mais que c'était très risqué. De toute façon, les FM sur voile sont un peu horribles à faire. Hein. On va peut-être tenter un PA, est-ce que ça peut crit? Allez, c'est crit. Limite, si j'ai encore un crit, et puis après un crit sur une Rasa, ça peut le faire, mais... Ah, c'est compliqué, hein. Compliqué clairement. Si on peut avoir un petit plus PO ici, bon, allez, je tente un mini FM histoire de voir si on peut exploiter quelque chose, mais non, a priori ça sera pas pour aujourd'hui. Tant pis, tant pis, tant pis. Est-ce qu'on tente un PA? Moi je tenterai clairement un PA là-dessus, hein. Bon, moi, du coup, je vous interromps la vidéo et on reprend dès que, il est là avec ce qu'il veut faire. Hop, donc on a réussi à lui passer un petit PA. Il a choisi de partir en ordre plus rune. Rune PA. Et petit commentaire sur notre discussion là, il me dit que quelqu'un lui avait proposé 15,5 millions plus un Dococo pour son voile quand il était ExoPM. Alors faites attention à ça. Quand vous avez en général ce genre de somme plus un petit item, ça pue l'arnaque, hein, clairement. Ce que font le type de sous-race qui font ça, c'est qu'ils vous mettent la somme de Kama, et quand ils rajoutent l'item en plus, ils enlèvent un zéro, et ils espèrent que vous ne voyez pas, et franchement, si on est distrait, on peut se faire avoir. Donc moi, je réponds même pas quand on m'en propose des trucs comme ça, je mets directement en ennemi pour gagner du temps, et lui, apparemment, il avait pas l'air vigilant à ce genre de petite vicieuserie. Donc faites attention. Voilà, faites attention à ceux qui vous mettent somme de Kama plus un item de merde. Hein. Typiquement, si vous vendez un item à 50 millions et qu'on vous propose 49 millions 8 plus un petit trophée 200 000, ça pue la merde, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, soyez attentifs. Alors, ça passe le G. Est-ce qu'il veut briser le PA ou pas? Est-ce que le G est correct? Non, il n'est pas du tout correct le G. Et il va falloir briser le PA. Je vais peut-être laisser en 9 dos cette fois-ci et essayer de voir après ce que j'en fais. Alors je vais commencer par les raises. Allez, c'est parti. Alors on a 4 plus 10 moins 6. Ok, on va remonter le critique. Ça me fait un petit moins 8 ça, hein. Je retombe à 0. Ok. Alors, plus 3. 3 plus 6 moins 10. Je vais continuer sur le critique, hein, jusqu'à ce que ça passe. Ok, donc là on a plus 10. 10. Alors, plus 3,2. Plus 4. Moins 10. Et plus 6. Ensuite, dommage. Plus 6. Plus 10. Valait bien la peine de s'embêter à mettre le critique. Moins 20 et plus 6. Ok. Quatre. Niveau des raises, on a un truc acceptable. Je vais les remonter à 8 quand même. Et 0,8 plus 3. 6. Plus 1. Hop. Ok, petit critique. On va voir ce qu'on peut faire avec. Oh, la sagesse, je vais peut-être la laisser comme ça. Qu'est-ce qui peut être intéressant là? Le dommage de le passer à 10, c'est quand même un petit peu tendu. Bon, en même temps, si on fait un brisage PA, il faut aller chercher le Dido, hein, sinon c'est pas très intéressant. On peut faire un équivalent sur Puy PO.
Allez, je vais mettre la vitalité, on va peut-être pas la laisser comme ça. Ce 1, plus 6, et le critique et les 50 vita, qui se compensent. Alors là, on a un moins 4. C'est les raises à 8. Plus 4. Allez, je vais tenter le dommage, sinon le PA tombera jamais, hein, clairement. Plus 10. Bon, déjà, je vais les remettre à 9. Oh putain. Moins 19, c'est bien, j'ai bien compté mon fuit. J'ai pas fait de la merde depuis tout à l'heure, puisque là on a un truc tout à fait cohérent. On retombe à 0. Ok, le crit sur les dommages, ça fait plaise. Je vais tenter le deuxième. Hein. Il faut péter le PA. Non, mais pourquoi quand le PA tombe, ça passe jamais en même temps? Ce serait quand même plus sympa. Bon, plus 80. Là, les dommages, pour le coup, je vais les laisser à 9. Alors, on va avoir des beaux jets sur l'intel et la force. Puisque là, on a un moins 3. Et on peut aller chercher 70 et 69. La vitalité, je vais peut-être la laisser à 341. On va voir. On va déjà voir comment on surpasse ces runes-là. Ok, ça passe bien. Ça commence pas trop mal. Oh putain, il suffisait que je dise ça pour que ça parte en couille. C'est bon. Oh là là là, bon, on va rien faire une fois de plus. Hein. J'ai combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, moins 60 depuis là-dessus, quoi, sérieusement. Bon, bah, c'est fini. Fin de la partie. Allez, moins 12, et il nous reste 5 depuis. Ah là 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 là. Allez, ça crit. Et bien sûr, ça ne passe plus. Est-ce qu'on continue avec des PA? Là, si on passe un PA là-dessus et qu'on arrive à le péter assez vite, on peut choper un beau jet. J'attends bien sûr de savoir ce qu'il veut. Non, pas de PA là-dessus, bon, je... je vous interromps la vidéo, et si je la reprends pas, c'est qu'on n'a rien eu, et sinon, c'est que j'ai un PA à briser. Eh ben, il semblerait que ce jeune homme ait plus de chance que moi, le PA est passé tout de suite. Putain, moi je me fais des séries de 100 tentats sans passer de PA, et lui, bam, sur 25 runes, il en passe 2, c'est cool. On est juste après avoir fini le FM d'avant, là, hein, vraiment. Donc, bon, bah, tant mieux pour lui, on va voir ce qu'on peut faire de ça. Je vais commencer par remonter les dommages, là, clairement, à 6, c'est pas jouable. Oh, la chance! Ah, la chance. Ouais, c'est quand même... ça peut bien se passer. Alors, on a ici un plus 80... plus 80, et alors je pense que si on arrive à avoir quelque chose de bien, on partira en 9h vita. Ce sera certainement le mieux à faire. 9 dos. Je laisse en 9 dos. Il a raison, hein. C'est peut-être plus sage pour qu'on puisse espérer avoir quelque chose de bien. Je serai d'avis. Alors, ce qu'il faut aussi voir, c'est la sagesse. La sagesse, influe beaucoup le FM. Combien il veut. Alors là, de toute façon, l'intel, il va falloir que je parte en 9h. Allez, il faudrait que ça passe. Moins 20. Ça peut le faire. Petite rune force, si on pouvait avoir un truc qui passe, là, ce serait cool. Bon, ça ne passe pas. 31 de sagesse, d'accord, c'est relativement faible. Moi, ça me plairait pas trop, mais c'est son item, donc on va le faire. La petite force. Ok, moins 10 ici. Donc la sagesse, du coup, s'il la met qu'à 31, ça devrait pas être très difficile. Voilà, ça crit. Je vais monter les raises à 2, 3, donc moins 18, 29 de puits restant, et il faut vraiment que le dommage y passe. À moins qu'il veuille qu'on le laisse en 8 dos, mais un voile en 8 dos, c'est un peu dommage quand même, hein. Mais bon, je vais me plier à son choix. J'attends le verdict. En gros, c'est soit on tente le dommage et après on part en 9h vita, soit en 4%. Ah mais faut s'occuper de la vita, hein. Over vita, plutôt. Mettre des pourcents res sur du 328 vita... c'est pas terrible, bon, je sais pas ce qu'il veut. Au pire, du coup, oui, bon, faut me dire ce que je fais, hein. Pas ça avant. Pas ça puis over vita.
Ok. 2 à 8, bon, c'est un petit peu dommage, mais bon, tout le monde n'a pas envie de s'acharner pendant des mois sur un item comme moi. Oui, parce que je sais pas quand est-ce que je vais sortir la vidéo, mais là, ça doit faire un mois et demi hein, que je suis sur la cape de crânonnier. Je fais plus que ça dans le jeu, je ne fais plus rien d'autre, donc c'est pour ça qu'il n'y a plus de vidéo. Bon, allez. Là, pas ça. Et de toute façon, oui. Pas ça qui passe, moins 9, et donc 2 tentats ravis. Après, si on aurait 428 vita, pourquoi pas, hein? Non. Et, oh putain, ce jeu est chiant. 0 de puits. Bien. C'est bien. Bon, bah, je crois qu'on va encore passer du PA. Bon, tant pis pour lui. Enfin, tant pis pour lui. Tant pis pour nous tous, hein. Je suis autant dans la merde que lui, concrètement. Mais c'est vrai qu'il faut un sacré mental quand même pour s'atteler à ce genre de FM un petit peu exigeant. On sait jamais trop comment ça va se passer. On peut des fois avoir hein, beaucoup de chance et se dire ah, ça valait la peine comme moi j'ai eu avec mon arc corrompu PM il y a pas longtemps. Mais bon, des fois pour le moral, ça, quand on enchaîne les pertes de Kama sans jamais rien avoir en retour, c'est un petit peu éprouvant. On est parti pour un autre PA. Alors là, j'ai bien bien galéré à le passer. Je dois être à presque 250 échecs. Donc ça m'a un petit peu saoulé, mais là on a peut-être quelque chose de correct, on a les 20 d'OR, on a les 4% crit, on a des stats qui sont globalement assez élevés, bon ce qui va être délicat c'est toujours de faire tomber le PA assez vite. Bon on est parti comme ça, on espère que la grosse rune là va le faire tomber, ce serait bien, et ça commence très très mal. Bon bah tant pis, alors là on a plus 3, hop. Oui c'est ça, hein, ça c'est 24, moins 21, hop. Allez, je continue. Putain, bon, bah c'est fini. C'est fini. Alors, on a plus 6, plus 12, moins 21, on retombe à 0. Putain, c'est bien, ça fait. Il m'a fallu presque 10 jours pour passer le bordel là, et voilà. Voilà ce qui se passe. Ça fait vachement plaisir. Bon, bah, du coup, je ne compte même pas. Hop, et voilà, et bien sûr, c'est là que. Bon, bah, je vais compter, c'est comme ça que ça tombe. Mais là, là on n'aura rien, hein, clairement. Alors. J'ai eu plus 9,6 là-dessus. J'ai plus 5. J'ai plus 9. J'ai moins 21 ici. Là, j'ai moins 2. Là, j'ai plus 94. Bon, je vais tenter la pavie. Hop, ça passe. Moins 3 pour aller chercher les 400 vita. Bon, ça, c'est propre, hein, mais malheureusement, je doute que savoir quoi que ce soit sur ce jet. Hein. Hop, moins 9 ici pour la J. Moins 6 pour les raises. Bon allez, on va tenter la... Bon, je vais commencer par les raises et on verra si on tente la Rasa, mais de toute façon, il n'y aura pas trop le choix. Ok, on est déjà sur du moins 36 ici. Il y en a un peu plus de crit par là. 36 et 24, on est à moins 60. Hein. Moins 60 pour les raises, il nous reste 6 de puits, c'est nickel. Bon, alors là, en théorie, ouais, je vais tenter un crit à la Rasa. Oh, ça passe. Étonnant. Bon, on va tenter le crit à la pas. Si on a un crit là-dessus, on pourrait avoir une tente à raise. Bon, j'y crois pas trop, mais. Ok, donc là, j'ai plus de 20. 21. Et franchement, si on a du crit. Non, c'est chaud quand même. Hein. C'est quand même bien chaud. Oh, dommage. J'aurais peut-être eu moyen de faire un truc. Petit PA qui ne passe pas. Tant pis. Hop, un autre petit PA à briser. Alors, vous noterez que j'ai plus du tout de Kama. De toute façon, ça fait un moment que je défonce tous mes Kama dans ce FM. À la fin de la vidéo, parce que je compte interrompre la vidéo quand j'aurai terminé ce FM, j'essaierai de faire un petit bilan des Kama que j'ai mis dedans, mais je pense que ça va être assez astronomique. Alors là, donc, j'ai plus les moyens d'y aller avec des orbes, et étant donné le nombre de PA que j'ai déjà pété avec des orbes plus PA, je me dis qu'il est peut-être temps d'essayer de faire autrement et de remonter le jet manuellement pour avoir un jet qui m'arrange plus pour le brisage. Parce que là, l'item est tellement difficile à FM qu'avec des orbes, voilà, avec des jets random, c'est vraiment pas évident. Alors là, le jet que je me suis fixé en jet minimum pour le brisage, c'est 351 vita, 40 d'agi, 26 repos, 35 sagesse, 17 d'OR, 10% reste partout, 12 esquive PA, 4% critique. Donc là, je suis un petit peu au-dessus hein, de ce que je m'étais fixé au minimum. Alors je mets les 12 esquives PA pour pouvoir tenter directement une parépa et essayer de briser le PA.
Et les deux R, je les laisse à 17 pour essayer d'y aller à la Pado, de la même manière. Là, c'est assez marrant parce que j'étais en train de me dire il y a deux secondes, juste avant de tenter le PA, oh, j'ai 391 Vita. C'est suffisamment élevé pour que je ne le remonte pas sur le brisage, mais suffisamment bas pour me faire chier si ça passe là-dessus, et comme par hasard, le PA est passé là-dessus. Bon, enfin, dans l'hypothèse où j'arriverai à avoir un G-Clean à la fin, ce serait bien, mais a priori, j'y crois plus trop, donc ça va partir aux oubliettes. Allez, c'est parti. Alors là, j'ai... Ah, puis en plus, maintenant, j'ai un peu de puits résiduels, alors on va le compter ensemble. Là, j'ai un de puits là-dessus. Non, j'ai même pas un de puits, là, j'ai 6 plus 2, moins 3... 5 depuis ici, je pense que j'en avais pas avant, et là j'ai plus 1. Donc je commence déjà le FM avec 6 depuis, ce qui est déjà plus avantageux que quand je suis sur Orb où on a systématiquement 0. Bon, dans le meilleur des cas, le PA tombe là-dessus, et là on peut tenter quelque chose de sympa. Ah oh, putain, elles veulent vraiment pas passer celle-là, hein, c'est pas évident. Alors j'ai plus 3,8 depuis, plus 9... Plus 5, moins 21. Allez, j'enchaîne. Ok, le PA tombe. Plus 100, moins 21. Alors, l'avantage d'avoir pris des grosses runes comme ça, c'est que le PA tombe rapidement et qu'on n'a pas défoncé le G avant. Malheureusement, c'est pas passé, donc là, c'est quand même pas évident. Je vais pouvoir remonter directement la Vita. Ok, donc là, comme ça m'a baissé la vitalité, je pourrais aller chercher un meilleur G, en espérant que ça passe. Ah putain, moins 30 là-dessus, il va plus me rester grand-chose. Hein. Très vite, là, on va se retrouver en difficulté. 22, je vais y aller avec une Do-R, ce qui va me passer un peu en dessous des 400, voilà, et là j'ai un G que je n'ai plus besoin de toucher sur la Vita. La J, on va y aller avec deux Ra-H, histoire d'aller chercher les 60 d'agilité, et on a un crit, c'est pas mal. Moins 10 ici, les répous, on verra ce qu'on en fait tout à l'heure, je vais passer la pas de R. Hop, dommage, là je foire le FM là-dessus. Une pas de R qui passe pas, c'est clairement pas facile à encaisser. Ça me laisse 11 de puits et on ne pourra pas terminer avec ça. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais y aller sur... là, ça comme ça, ça me fait un moins 9. Je vais tenter une petite rune de res peut-être. Histoire juste d'avoir un truc jouable parce que j'aimerais bien pouvoir tester un mode quand même avec ça. Et je pensais pas que ça me prendrait aussi longtemps. Maintenant je vais essayer de passer une petite rune et puis je referai une deuxième cape pour continuer mes brisages. Est-ce qu'on passe ça? Non. Bon, dans ce cas on part en tentative PA là-dessus. Dommage. On se retrouve pour un autre brisage PA sur un G qui a été monté manuellement et qui a mis un temps fou à passer, mais ça fait je sais pas combien de jours voire même de semaines là que je suis dessus. C'est pas facile du tout, et c'est passé sur un truc plutôt correct. Alors je m'étais fixé comme minimum 351 en vie, 40 en agi, 26 répous, 38 en sagesse, 17 d'OR, 10-10 pour les res, 12 esquive PA et 4% crit. Donc malgré le fait que j'ai remonté tout à la main et sans orbe, hein, parce que ça a commencé à me coûter vraiment trop cher, je pense que je ferai un bilan à la fin de la vidéo de ce que ça m'a coûté à peu près. Mais là mes Kama ils ont pris une énorme claque avec ce FM. Donc voilà, j'ai décidé de passer en mode manuel et puis aussi pour avoir des jets qui sont plus facilement exploitables. Quand on a un PA, parce que là j'ai, dans les tentatives qui ont précédé, j'ai souvent eu des trucs en fait, des PA qui sont partis dans le vide parce que le G n'était pas adapté, hein. Par exemple sur du 19 d'OR, on peut rien en faire quoi, concrètement. Donc avec cette méthode, c'est plus long, c'est plus chiant, mais c'est peut-être un petit peu plus fiable. A voir, sachant que l'item est quand même pas facile à remonter puisqu'il n'y a pas de puits. J'espère vraiment que je vais arriver à terminer ce FM un jour, hein, parce que là c'est en train clairement de me dégoûter du jeu. De toute façon, si je sors la vidéo, vous verrez que ça fera un moment que j'aurai rien fait d'autre. Hein, c'est tout simplement parce que ça me prend un temps fou et ça me... Déjà j'ai pas beaucoup de temps à mettre dans le jeu et tout le temps que je mets dans le jeu, il passe là-dedans, donc c'est un peu dommage. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Alors là l'idée ça va être de balancer les grosses runes, donc triple esquive PA et ensuite la pas de R et vraiment espérer que ça tombe vite. Et si c'est le cas, on pourra peut-être avoir quelque chose de chouette, alors il faudra que je parte en over vitalité, parce que là, 385, c'est quand même trop léger. On va voir ça tout de suite. Allez, hop. Allez, c'est parti. Ça commence à se ruiner tout de suite, déjà. Alors, j'avais compté avant, rapidement. Là, j'ai récupéré 1,2 depuis ici. Je pense qu'il était retombé à 0 sur la ligne là. J'avais pris un petit peu le temps de regarder. Il faut aussi que je pense à signer, parce que je ne l'ai pas signé. Donc, j'ai 1,2. Et on a plus 24... allez, je vais pas commencer à faire de la merde. C'est plus 18, pardon. Plus 18, plus 2, moins 21. D'accord, donc on retombe à 0,2. Bah, je vais spam les grosses runes. Hein.
Bon ben voilà, c'est bien. 2-3 semaines à tryhard pour avoir un truc ruiné en 2 runes. Super ce jeu. Bon, on va quand même aller au bout, mais là c'est un peu dead quoi. C'est cool, c'est tout ce qu'on aime. Donc plus 7, on a quoi? On a 35, ça nous fait 3,6. Plus 2. Plus 12. Moins 21, à nouveau, hein, on tombe sur des petites décimales. Bien sûr, il faut que j'aille refaire des runes, le truc que je supporte pas d'interrompre un FM pour ça. Bon, je vends des petits bordels, mais c'est pas ça qui va compenser mes pertes, hein, bien entendu. On va s'en faire 25, hop. Allez, on y croit. Ce que j'ai fait, c'est que je m'en suis fait deux en fait, et comme ça, j'en ai toujours une qui a un G à peu près correct que je peux utiliser si je veux. J'en ai besoin, puis j'en ai une autre qui passe en FM, c'est pour ça que celle-ci a besoin d'être signée. Voilà, c'est du détail. Hop. Allez, c'est bien. Bon, plus 0,2, plus 20, plus 5, moins 21. Quand même, c'est bien, mais il n'y a plus rien sur l'item, c'est nickel. Plus 14, plus 6. Et 1, hop, il nous reste 4. Moi je vais y aller sur ce sur quoi je peux y aller. Allez, on va y aller sur la crit. Espérant pouvoir peut-être remonter un peu le G, mais là c'est quasiment impossible hein, concrètement. On a donc un moins 3 qui arrive comme ça. Hop, ah bah, si tu vois la vidéo, tu auras la réponse à ta question. Ça va pas terrible hein, d'un point de vue dans le jeu. Là, c'est pas la folie. Donc là, le puits ne bouge pas là-dessus. Allez, je vais tenter la petite ravie. Oh là là, l'item se fait défoncer. 2. Hop. Ça bouge pas. Et bien sûr, bah, là, il n'y a plus grand-chose à faire. Hein. Alors, on a moins 15. Plus 6. Plus 6. Ok, 0. J'ai envie de tenter la pas de R, mais si je fais ça, je risque de me... Si ça fait pas tomber le PA, après je peux retomber à 19 ou des trucs comme ça va être ingérable. Donc par sécurité, je vais laisser ça comme ça. Alors là, on a quoi? On a plus 5. Hop, ok, je peux retenter la pas repa, qui m'a pas trop réussi tout à l'heure. Ah, oh, décidément, mais... Allez, plus 6,2, plus 3. Plus 10, plus 6, moins 21. Hop. Bon, on va continuer, hein, de toute façon, le point où on en est. Ok. Là, ça fait quoi? Ça fait un... 15. Hop. Plus 0,8. Plus 3. Plus 6. Plus 8. Moins 21, mais décidément, c'est... Ça devient presque ridicule, là. Ok, ça continue. Ça ne s'arrêtera donc jamais. On a ici un plus 9. Ah, s'il était tombé direct, le jeu qu'on aurait pu essayer de choper. Vraiment, c'est décevant. Bon, allez, la vitalité, on va essayer. Hein. Je baisse pas les bras quand même, mais je suis lucide hein, sur la merditude de la situation là. Hop. Petite runini. Ok. Bon, du coup, là, les répous vont arriver sur les 35, mais je ne sais même pas dit que j'aurais de quoi les remonter, hein, concrètement. Hop. Donc, on y a du crit. Ok, ça a l'air bien parti, ça fait plutôt plaise. Mais est-ce que ça va suffire à remonter notre morale? Ah, c'est quand même joli, ça, dis donc, là. On en a eu combien, là? On en a eu 7. 7 crits d'affilée sur la J qui monte à 60 gratuitement. Bon, si tout le FM se passe comme ça, moi je prends, hein, y a pas de problème. Hein. Mais, bon, ne rêvons pas. Ok, donc là on a moins 5. Et hein, les repos, on va les monter. J'ai quoi? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, c'est bien. Moins 42 là-dessus. Les 2R, allez, je vais les bourriner. Hop, moins 15. On va mettre quoi? Allez, on va mettre les restes déjà. 2, 3. 4. Allez, voilà, il n'y a plus rien. Là, pour le coup, le G n'est même pas jouable, quoi. C'est une tristesse, franchement.
Ouais, je vais voir quand même si je peux en faire quelque chose comme ça, juste pour que je puisse m'en servir, mais... Ou alors est-ce que je balance un PA directement là-dessus? Ah, j'ai les 19 d'eau, c'est moche ça. C'est très moche, bon, bah c'est mort, hein. C'est complètement mort. Encore un PA que j'ai passé manuellement sur un G, voilà, qui est pas trop mal du tout. C'est parti, alors je m'obstine encore pour le moment à passer les grosses runes d'esquive PA pour essayer de faire tomber le PA, mais si je vois qu'après encore plusieurs brisages, ça me défonce l'item à chaque fois, je verrai peut-être pour une autre stratégie. On verra. Pour l'instant, je pense que c'est quand même, en théorie, la meilleure manière de faire, mais bon, quand ça passe pas, quoi. Et, ah oh, bah, il suffisait que je fasse mon petit speech pour que, enfin, ça me porte chance. Bon, ça, c'est en gros ce que j'espère qui se passe depuis des mois, quoi. C'est un délire. Là, enfin, ça vient d'arriver. Bon, alors, espérons que ça va pas être massacré par la suite. Mais ça me fait donc directement 89 depuis, avec un item qui a un très beau jet. Alors, juste les répous m'embêtent un peu, peut-être falloir que je parte en over dessus. Alors, il faudrait idéalement que je fasse un over Vita, un over Repu pour avoir du G clean. Mais devant la difficulté du FM de l'item et le fait que j'ai plus beaucoup de Kama, peut-être qu'il vaut mieux que je sois un petit peu moins exigeant et que j'essaie de finir le FM. Donc je vais déjà passer l'appât de R, qui passe. Chouette. Moins 15, donc 74 depuis. Ensuite, je vais passer la J, je pense. À moins que je choisisse quand même de faire un over Vita. Là j'ai 74. Le truc c'est que si je me contente d'un jet qui est pas dingue, je peux avoir énormément de tentatives sur les runes après. Alors là on a moins 6. Hop, 68 depuis. 68 depuis. Alors si je fais un over Vita, ça va me faire 16 de vie en moins, donc on va dire 15, donc 3, donc ça me laissera 7 depuis en over sur la Vita qu'il faudra que je rebaisse avec la J. Auquel cas, ça peut être intéressant que je passe déjà en over Vita et qu'ensuite je baisse. Ou alors je considère que 384 de vie c'est correct. Ça ne l'est pas vraiment, c'est ça le problème par rapport à mes exigences en FM. 384 de vie, ça pue un peu la merde. Je suis sceptique. Je vais monter la J déjà. On va voir comment ça se passe. Pour l'instant ça passe, ok on a juste un moins 6. 51 d'AJ, bon je vais arriver à 60 d'AJ tout pile, ça c'est la bonne nouvelle. Et la vitalité m'embête quand même pas mal. Hein. Bon allez je vais monter l'AJ, je vais laisser la Vita comme ça, parce qu'il faut que ce FM se termine. C'est la raison principale de l'immobilisation complète de ma progression dans le jeu, de mon activité sur ma chaîne. C'est parce que ce FM vraiment m'a mis au fond quoi. Allez, par contre, ce serait bien que je passe pas une heure à remonter la J. Ça, c'est incroyable, ça. Voilà, putain, moi, je vais compter ça. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Putain, la vache. 17 fois 3, ça doit faire 51, moins 51. Il me reste que 11 depuis, putain j'avais un truc super quoi. J'aurais peut-être mieux fait d'y aller à la ravie avec un mini over. Dommage hein, dommage. 11 depuis là-dessus. Bon on va tenter une rune raise. Hein. Et en plus j'ai mal compté le puits, et bah décidément. Je me suis planté. 17 x 3 ça fait bien 51 a priori. Bon, est-ce que je tente l'esquive PA là? Je vais essayer de la remettre. Super, c'est tout ce qu'on aime hein, dans le jeu. Hop! Bon, moi bah, je vais tenter une petite rune ravie des fois que ça passe. Non. Bon, bah va falloir encore tenter un PA là-dessus. Quel dommage, je pensais vraiment, là j'espérais pouvoir terminer la vidéo. Mais ce sera pas le cas, je pense. Allez, on va voir si on peut récupérer un truc comme ça. Toujours pas. Ah puis là la J qui passe direct à 60 bien sûr. Ah c'est décevant. C'est décevant. Là j'ai eu quoi? J'ai eu plus 5. Puis bon. Bon bah du coup je vais devoir rebalancer du PA là-dessus je pense. Est-ce que je tente les répous? Ah si je tente les répous. Non, bah, je vais laisser comme ça. Et puis bah, je vais encore retenter des PA et puis on se retrouve pour le suivant. Bah, c'est bien dommage, bien décevant. J'y croyais vraiment là.
La série d'échecs sur l'AJ, j'aurais mieux fait de tenter un over Vita, ça se serait peut-être mieux passé. Bon, tant pis, faut garder le moral, mais c'est pas toujours facile. Hein. Ouais, bon, juste un petit retour du coup sur le truc d'avant, je sais où je me suis planté, c'est le. Là, je commençais pas à 89, je commençais à 79 depuis, putain, mais comment je peux me vautrer là-dessus, quoi. Honteux. Honteux. Bon, de toute façon, ça n'aurait absolument rien changé, hein. J'aurais quand même passé les mêmes runes dans le même ordre. Mais voilà, ça explique le fail. Brisage suivant, alors cette fois-ci je l'ai passé sur Orb parce que j'ai vendu pas mal de trucs, j'avais quelques millions, je me suis dit allez je refais sur Orb même si c'est plus coûteux de faire comme ça et c'est pas toujours mieux, mais bon voilà, en tout cas c'est plus rapide, c'est un peu moins chiant pour remonter léger. Donc histoire de calmer mes nerfs un petit peu, je me suis dit allez si on a un coup de chance ça peut le faire. Donc on a le PA là-dessus, on va y aller sur cette rune qui était bien passée à la tentative précédente en espérant que ça fasse pareil. Et non, ça, on est reparti pour avoir la poisse apparemment. Alors là j'ai 2, plus 10, plus 12, moins 21. Allez, je vais me bourriner la grosse rune là. Tant pis, hein, si je défonce le puits. Égal 3, là on a moins 3, hein, hop. Bon, ça passe, surprenant. Ensuite, la plus grosse rune que je peux lancer, c'est la passa ici. Hein. De celles qui sont intéressantes, non, c'est déjà la critique. Hop, qui passe. Alors, je peux mettre une pas de R, ça c'est pas mal. Non, ça ne pas tomber le PA, toujours pas. Alors là j'ai plus 12, plus 7, moins 15. Je vais continuer là-dessus. Et le PA tombe, ok, c'est pas trop trop mal, ça aurait pu être pire. On a donc plus 100 et moins 15, ce qui nous fait 89 depuis. Cette fois-ci, je pense que je me suis pas planté et que j'ai bien 89 depuis. On va commencer tout de suite par un over Vita, parce que là il va falloir over, hein. Il n'y a vraiment pas le choix. Putain, moins 30. 30 là-dessus. Je vais baisser l'over avec une rune ini. Est-ce que c'est intéressant d'y aller sur une rune AJ? Absolument pas. Hop. Ensuite, je vais mettre. On va tenter la petite rune AJ. Moins 6 qui m'a bien mis dans la mer la dernière fois. Je vais laisser l'AJ comme ça, j'ai pas trop le choix. Je vais monter les raises. 3 ici. 4, ok, on a eu de la chance, là, il y avait beaucoup de crits, ça fait plaisir. Moins 24, il me reste 29 depuis. Ah, avec 29, je vais pas faire grand chose malheureusement. On va tenter la pado. Un crit, non, on n'a pas de crit. Moins 15. 14 depuis restant. Avec 14 depuis, qu'est-ce qu'on fait? On va tenter l'esquive PA peut-être. Ou alors les répous. On va tenter les répous, je pense. Deux, ou alors je peux avoir deux tentats sur les esquives PA. Non, les esquives PA peut-être plus important. Ok, moins 7. Les 7 ici, je vais les mettre là-dessus. Hop, et puis on va rester là-dessus, je pense. Ok, il me reste 1 depuis. On va tenter une petite rune AJ. Il ne passe pas. Ok, 0 depuis. Bon, bah c'est encore une fois pas ce que je veux. Hein, donc je vais continuer mes brisages et puis jusqu'à ce que j'ai le G souhaité. Je reviens sur cet item après une période assez longue pendant laquelle je l'avais pas touché parce que voilà, c'est. C'est un petit peu usant, j'avais plus beaucoup de Kama, là je m'en suis refait un petit peu, donc on reteste. Et bah, c'est parti, tout de suite. Hop, ok, donc la rune qui passe, c'est assez rare ici, tant mieux. Alors on a plus... Ah, je devais avoir un petit peu de puits résiduels, ouais. Parce que là, je me disais bien, j'ai un plus 20, moins 21, c'était bizarre. Alors je vais recompter ça très rapidement, ici j'ai un plus 2. Je vais partir du principe que là j'ai T à 0, ce qui me paraît pas délirant. Donc ça fait 2 ici, là j'ai plus 4,2, moins 10, plus 6, 2,2, ouais ça devait être un truc dans le genre, et donc là j'ai moins 1. Ok, donc on va dire que j'ai 1,2 depuis, j'ai peut-être même un petit peu plus, hein. C'est possible que j'ai un petit peu de résidu encore d'avant, mais ça je vais pas me casser trop la tête, on verra déjà si j'arrive à la fin du FM avec un truc potable, et ensuite on pourra réfléchir à faire quelque chose. Alors, les dommages. Alors, je vais laisser pour l'instant les dommages à 16. Je vais pas chercher les 17 puisque j'aurai besoin d'une rune qui pèse 5 pour enlever un over de 24 si je passe une ravie sur 376. Bon, ça, c'est. On verra si c'est le cas, mais j'en doute un peu. Bon. Alors, j'ai ici plus 12, moins 15. Bon, moi, je devais avoir du puits. Je devais avoir plus de puits que ça, parce que là j'ai tenté une pado et ça m'a enlevé que 12.
Donc je vais remettre le puits à 0 en considérant que là j'ai très très peu de chance d'avoir eu plus de puits résiduels que ça des runes précédentes. Là ça me paraît correct. Et bien sûr j'ai plus de runes passa, ça c'est génial, ça tombe toujours au mauvais moment. Bon, on va racheter ça tout de suite. Hop. En prendre 500, un truc dans le genre. La histoire de pas y retourner toutes les 2 secondes. Voilà. Hop, on y retourne. Alors, j'avais dit que j'avais 0 de puits ici. On va tenter les petites ruines de sagesse. Là, j'ai plus 1,6, plus 2, plus 5. Plus 6, moins 9. Ok, j'ai gagné un petit peu de puits là-dessus. Continuer sur la sagesse. Ok, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut remonter en urgence? Ouais, les Do-R sont quand même pas terribles. Alors idéalement, il faudrait y aller avec des Do-R et ensuite de la Pado-R à partir de 14 pour aller à 17 puis à 20. Mais là, je tente quand même plutôt des grosses runes en priorité pour essayer de faire tomber le PA. Hein. Ça a quand même tendance à mieux marcher comme ça. Donc là, on a un moins 3. Hop. Là, je vais même y aller sur la sagesse, hein. Hop là, tant qu'à faire. Ce serait bien que le PA ne tarde pas trop à tomber, parce que là ça commence à devenir compliqué pour moi. On a plus 5, moins 9, plus 2, ok on est bon. Bon, c'est pas trop mal. C'est pas trop trop mal, ça va me permettre d'aller chercher 1,396 de vit 93. De vitalité, ce qui sera pas incroyable, mais ce qui sera relativement correct. Hein, je pourrais laisser ça comme ça sans que ça me traumatise trop. Alors, est-ce que je commence par ça ou par les Do-R? Je vais commencer par les Do-R, je pense, parce que c'est ce qui a le plus souvent le plus de mal à passer. Hop, moins 10. Là, il y a une grande partie du FM se joue sur la rune là. Est-ce que ça passe? Ça passe, moins 15. Bon, ça, j'aurais aimé un crit, mais au moins on n'a pas eu d'échec qui me défonce mon item, c'est pas mal. Oh là là, moins 30 sur la vie. Ça pique. Ça pique, ça pique. Je vais monter les raises. Je fais l'agilité ensuite. Et 3, 4, moins 24. Ah, je finirai pas le FM, je pense. Ça risque d'être un petit peu short. C'est la vitalité là qui m'a mis au fond. Au moins que j'ai un peu de crit, mais j'en doute. Voilà. Dommage. On va tenter un petit PA là-dessus. Tant pis. Les amis, mon aventure de forge magie avec cet item prend fin ici, du moins pour l'instant. Alors, je vais vous raconter un petit peu le mot de la fin. Ce qui s'est passé, c'est que voilà, pendant mes péripéties de brisage, mes dépenses innombrables en Kama, j'ai été contacté par un forge mage qui m'a demandé s'il voulait que je lui qu'il me fasse quelque chose en commande. Alors, je lui ai raconté que j'étais sur cette cape depuis un moment, que ça me faisait bien galérer, et que bah, s'il voulait s'y essayer, il pouvait. Et bien sûr, hein, vous savez comment ça se passe dans Dofus, le mec m'a MP 30 minutes plus tard avec ce G. Voilà, donc il a pondu ça, je crois, sur le premier PA qu'il a brisé. Donc il a été un petit peu plus chanceux que moi, et bah, je lui ai acheté ça à 50 millions. Donc un trou supplémentaire dans mon budget, bien sûr. Mais bon, voilà, ça fait un peu partie du jeu, on va dire, hein, mais c'est dur. Et je suis un peu dégoûté parce que bon, le G est extrêmement clean au niveau de l'agilité, la sagesse et la vitalité, hein, qui sont les trois lignes sur lesquelles il y a le plus d'aléas. Mais il n'y a que 34 époux. Donc ça me laisse un petit peu sur ma faim. Donc pour l'instant, je vais laisser ça comme ça et je vais essayer de plus trop y penser. Mais c'est pas impossible que plus tard je revienne dessus en essayant vraiment d'aller chercher les 35 époux. Ou peut-être même que je tenterai le succès critique répoux sur cette cape. On verra. Mais en tout cas, si je fais ça, c'est pas maintenant parce que là, il va me falloir un petit peu de temps pour me remettre de mes souffrances avec ça. Ça peut être intéressant, avant de conclure cette vidéo, qu'on essaie de faire un petit bilan sur les kamas que j'ai mis là-dedans. Alors bien sûr, ce que j'ai dépensé dans l'item n'est pas du tout représentatif de la valeur de l'item en soi, hein, mais ça peut toujours être intéressant de voir un petit peu combien je me suis grillé d'argent là-dessus. Alors pour ça, je vous propose un petit calcul. Alors, les runes... Les runes PA sont actuellement à 32 000 Kama unité, elles étaient plutôt autour de 40 000, et les orbes à 114 000. Donc pour les orbes, j'avais un petit peu moins de dépenses que ça, mais les runes, elles étaient plutôt à 40 000 pendant toute la période où j'ai FM. Donc on peut considérer que on a à peu près 150 000 Kama
part à chaque fois que je fais une tenta, quoi. Un orbe plus brisage. Qu'on peut monter à 100... Non, on va laisser comme ça. Hein. Ça me paraît être une estimation à peu près correcte au vu des prix qui étaient actifs pendant toute cette période. Et j'ai compté dans cette vidéo, j'ai brisé 18 PA. Donc, on peut mettre... Là, concrètement, j'ai balancé tellement de runes que je m'approche des moyennes statistiques, je pense. Et même, je pense que je suis un petit peu au-delà parce que j'ai eu une sacrée poisse. Enfin, je vous expliquerai ça dans un instant. Donc, on peut faire 150 000 x 100 x 18. Et on a déjà une première estimation des kamas que j'ai claqué là-dedans. Et on peut rajouter à ça, bien sûr, les 50 millions de l'achat de l'item. Ça nous fait 320 millions. Et sans mauvaise foi, je pense que je suis plus proche des 400 millions que des 300 millions, étant donné que j'ai fait des tentas que j'ai pas filmé, que j'ai pas mis dans la vidéo, et j'ai eu plein 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 de fois des séries de 100 ou 200 orbes plus PA qui n'ont donné aucun exo. Donc je pense pouvoir, sans exagérer, dire que j'ai à peu près lâché 400 millions de kamas pour avoir ce G, pour avoir cet item. Du moins pour essayer de l'avoir, hein. Encore une fois, c'est pas la valeur de l'item, mais c'est ce que ça m'a coûté. En plus, bien sûr, de l'impact nerveux, du temps et de l'énergie investie là-dedans. C'est dur, mais bon, ça fait partie de Dofus, hein. Parfois, on a des grosses pertes comme ça, on a des choses qui se passent mal. Et à l'inverse, dans la Forge de Magie, bah, parfois, on a plus de chance. Et on se retrouve avec des super items qui nous tombent dessus, comme ça a été le cas avec mon arc corrompu pour 100 PM que j'ai sorti il y a pas si longtemps. Voilà, donc ça me laisse quand même un petit peu une boule au ventre, mais bon, bah, je vais finir par le digérer. Heureusement que j'arrive à me faire des kamas quand même assez facilement pour absorber ce genre de pertes. Et donc, c'est pour ceux qui se posaient la question, ça fait à peu près... Enfin, je suis resté 2 mois et demi sans sortir de vidéo. C'est d'une part parce que j'avais pas trop de temps à consacrer à Dofus, voilà, j'étais occupé à d'autres choses. Mais tout le temps de jeu que j'avais, en fait, je le consacrais à faire des kamas et à essayer de faire de la forge magie sur cet item. Et je pensais pas que je m'engagerais dans un truc aussi long. Alors c'est vrai que l'item est très dur à FM, hein, c'est peut-être un des plus durs du jeu actuellement, parce qu'il y a beaucoup de grosses lignes. Et bah, il n'y a pas de puits, hein, donc voilà, on va pas revenir là-dessus, hein, vous avez bien compris. Mais je ne pensais pas que ça me ferait souffrir à ce point. Bon voilà, hein, je m'en remettrai. Et encore une fois, on verra. Qu'est-ce qu'on me link là? Casque. Ouh, je vais peut-être acheter ça. Bon, on va voir ça juste après. Bref. Donc, fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu tout de même. Hein. Ça a été un petit peu long. Bravo aux courageux qui sont restés jusqu'au bout. Dites-vous que s'il y a 2 heures de FM comme ça en compilé, le nombre d'heures que moi j'ai passé derrière, c'est quelque chose d'énorme. Mais bah voilà, si vous avez envie de me mettre un petit soutien, vous pouvez mettre un like ou un petit mot sympa. Pour les autres forges de mages à qui c'est déjà arrivé d'avoir des expériences désagréables comme celle-ci, moi je vous laisse là, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous, à bientôt.